Salut à tous et à toutes, ici Mister Wu. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire de l'anatomie animale plus facilement. Pourquoi ? Parce que la différence entre les animaux, quasiment, on va dire qu'on va s'occuper surtout des... Ici on va utiliser le félin, le guépard ou le cheetah en anglais pour ça. Mais ça peut être aussi un canidé tout simplement, parce qu'en fait la différence entre un canidé et un félin, il y en a des petites quand même. Déjà un félin c'est plus souple qu'un canidé, et aussi parce que le félin au niveau des pattes, ben les pattes sont, les ongles sont rétractables alors que les canidés non. En théorie en tout cas, normalement c'est pas le cas. Mais en général, en fait, si vous voulez, en général, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on va dire en simplifiant un peu les choses, c'est presque pareil au niveau de la morphologie des pattes, dans le sens anatomique. Je veux dire, si vous arrivez à dessiner correctement un loup, un renard, un chien, vous serez normalement plus apte. Où vous aurez pu facilement vous aurez la facilité tout simplement, je cherche mes mots, de dessiner le corps anatomique d'un félin par rapport à quelqu'un qui n'aura pas du tout appris ça du tout et qui essaiera carrément de commencer à comprendre comment dessiner un félin. Donc par rapport à quelqu'un qui n'a pas dessiné un corps de félin, vous aurez déjà des aptitudes que la personne n'aura pas, parce que dans la théorie, ça reste presque le même fonctionnement anatomique, presque, au niveau des canidés et des félins. C'est presque la même chose. Il y a quelques trucs qui changent un peu, mais en général, si on simplifie un peu tout, c'est presque la même chose. Ils ont des pattes arrière un peu comme les canidés au niveau des jambes. Hein, je dis le niveau des jambes et des pattes. Ils ont à peu près pareil pour le devant, les coudes et tout ça. Le niveau où ça remonte au niveau du corps, en fait, ils ont la même chose. Ici, j'ai pris des références parce que j'allais dessiner un truc et en même temps, je me suis dit, ah tiens, je pourrais aider les gens à s'améliorer à ce niveau-là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez tout simplement, si vous, c'est ça qui est bien en même temps, c'est que si vous vous concentrez fortement sur des canidés ou des félins, peu importe, vous serez bon sur les deux quasiment parce que l'anatomie est plus ou moins la même. C'est pas comme si au cas où après vous essayez de dessiner un kangourou ou je sais pas d'autre, qu'est-ce qu'il y a, un lapin. Après, en général, l'anatomie peut être presque la même, mais c'est plus complexe quand même, mais c'est pas comme si c'était ça, en fait. C'est pour ça que les félins, comme là, vous voyez, et un loup, vous savez à quoi ressemble un loup, donc on n'a pas besoin de montrer, un loup ou un chien, c'est quasiment la même chose au niveau anatomique des jambes et des coudes, des bras, vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est surtout ça, c'est plus ou moins le même niveau, c'est plus ou moins le même niveau quasiment. Il y a quelques petites choses de différence, oui bien sûr, mais c'est pas non plus colossal, c'est pas au point que ça soit tellement écarté que oh là là c'est impossible à dessiner. Je veux dire, quand vous débutez et que vous voulez juste pouvoir dessiner comme ça pour le plaisir, c'est suffisant déjà de comprendre ces choses là pour déjà faire une anatomie plus ou moins potable. J'ai bien dit plus ou moins potable et pas forcément ultra extrêmement travaillée, mais de toute façon je vous rassure tout de suite, la plupart des gens ne font même pas attention à les erreurs à ce niveau-là quand vous savez juste tout simplement faire une anatomie normale. Disons que on va dire que le niveau canidé, on a plus par rapport au félin, on a l'impression que le félin a un niveau de dossard au niveau, enfin le niveau du coude, en fait je vais vous montrer puisque j'ai ce niveau-là en fait, donc on va zoomer, ce serait pas mal ça. J'ai l'impression qu'en fait au niveau des félins, en fait
ce qui va se passer le plus, comme vous voyez, j'ai pris la référence, ça allait être trop mignon. Alors, j'ai essayé de le refaire comme ça, mais c'est pas possible parce que j'ai encore un peu de difficulté en perspective 3D, donc je saurais pas le refaire correctement. Je suis pas mauvais non plus, mais là, c'est vraiment l'extrême niveau maximum de la mort qui tue au niveau perspective parce que c'est une caméra de vue de haut. Dans un angle, c'est vraiment la perspective what the fuck quoi. Il faut vraiment savoir bien se débrouiller. Et j'ai encore un peu de difficulté avec ça apparemment. Donc voilà, en fait, si vous voulez, donc on va prendre du coup ce. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Celui-ci parce que je peux pas prendre les deux non plus pour bien qu'on le voie. Donc si vous voulez, on va voir si on peut zoomer encore une fois un peu. Parfait. Donc si vous voulez, au niveau de score, en fait, des fois, la plupart du temps, on remarque. Il n'y a rien qui se dessine, c'est normal parce que il faut passer au-dessus. Comme vous voyez, j'ai fait un groupe de calques ici qui sont en fait des groupes de tout simplement, c'est un groupe de trucs là, je sais plus le nom, je l'ai perdu de référence. C'est ce que je vous propose de faire, c'est faire un groupe de référence comme ça. Après, si vous voulez déplacer en ensemble, c'est beaucoup plus pratique. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que en fait. Quand on imagine, quand on étudie un peu l'anatomie animale, ce qui est, je rappelle, très difficile. Oula, je suis désolé, des fois je vais en. Parce qu'en fait, je crois que le truc est là et en fait il est plus bas. J'ai du mal à repérer le machin là, à bouger, donc j'ai un peu des difficultés, donc je m'en excuse fortement. Je risque de le faire souvent, cette gourde-là. Encore désolé pour les gourdes à venir. J'essaie d'avoir. Bon, pour le moment, on va pas avoir les pattes, mais en général, on va dire que c'est bon, on va avoir juste la tête et tout ça. On va faire comme ça. On va juste aller à. On va éviter de créer une tangente. Voilà, ça sera mieux. Bon, du coup, là, ça coupe directement. Donc, la tangente n'est plus réellement disponible. Donc, les pattes, on les met un peu pour le moment de côté. On s'en occupe. Enfin, les pattes de fin. Hein. On s'en occupera après. C'est pas le plus important, ça, pour l'instant. Pourquoi je peux pas dessiner hein. Sur ce que je vais essayer d'aider et vous améliorer et éventuellement vous aider, tout simplement. C'est ça, c'est sur ça que je veux focuser, c'est sur tout ça. Voilà, c'est sur ça. Voilà, tout simplement. C'est juste ça qui m'intéresse pour l'instant. Je vous montre, voilà. C'est ça qui nous intéresse pour l'instant. Donc, ça, tout simplement. Bon, là, je fais la vite pour vous montrer ce que je. Pour bien que vous voyez. C'est ces choses-là que. Non, on va retirer ces flèches, ça sert à rien. C'est ces choses-là qui m'intéressent pour le moment de vous montrer comment trouver des techniques un peu simplifiées pour faire un corps animal, tout simplement. Donc, ce qui va se passer, c'est que, en fait, l'idée, c'est que je me suis dit, ok, ce qu'on peut faire éventuellement, puisque ça peut faire penser à une boule, enfin, si on théorise fortement, c'est qu'on peut faire un truc comme ça. Là, on peut faire une boule. Vous allez me dire, ah bon? Oui, regardez. Du coup, ici, on peut faire aussi une boule pour débuter. J'ai un peu de mal avec les boules co correctes. Hein, c'est normal, je suis sur tablette. Et en fait, ici, souvent, on peut faire une deuxième boule pour le reste, en fait. Pour après faire. Mais ça, on verra ça plus tard. En fait, du coup, on peut faire une boule qu'on coupe, en fait, en deux. Eh oui, on va pas la laisser comme ça. Hein. En fait, la boule, vous la coupez en deux, comme ceci. Et en fait, du coup, ça aide mieux. Après, c'est à vous de peaufiner un peu, hein, c'est pas au pixel près. Et du coup, ça permet d'après, tout simplement, faire le corps ici, tout ça. Merde. Ah, tu m'énerves à te décaler, toi. Tout ça ici, tout ce que j'ai là, en plus facile. En tout cas, cette ossature, oui. Oui, c'est ça. Plus facilement, en fait. Ça aide mieux tout simplement et c'est pareil ici en fait il suffit du coup avec la boule c'est de la couper en deux. Bon là elle est un peu mal faite hein, la boule je vous rassure c'est normal elle est mal faite il faut la refaire là la boule mais celle-là elle est bonne donc celle-là il faut la refaire pourquoi parce que en fait elle est. Ce que vous entendez c'est le bruit de ma tablette Ouyon c'est une tablette qu'on regarde l'écran quand on dessine. Pas une tablette à écran, attention, parce que c'est la H430P Aspiroi de chez Ouyon. Donc c'est une tablette small, c'est une médium, c'est une entrée de gamme si je me trompe pas, ou une pauvre gamme, c'est-à-dire une bas de gamme, je sais pas. En tout cas, elle fait le nécessaire pour moi en tant que ou pauvre certifié. Tout mou, tout mou, tout doux.
Doudou, doudou. Alors, c'est où? Merci. Non, c'est celui-là que je vais prendre. Donc, ici, ce qu'on va faire, en fait, c'est que on peut essayer de visualiser une boule aussi pour s'aider. Ou alors, vous pouvez faire juste un demi-truc comme ça, qui n'est pas tout à fait, plutôt un ovale. C'est pas con non plus. Et en fait, en faisant cet ovale, vous pouvez après juste faire un truc comme ça. Et puis après, vous avez juste à faire ceci. Tout simplement. Et ça permet d'aider mieux à niveau anatomique. Mais ici, on va quand même essayer de faire une boule pour mieux comprendre. Donc vous voyez un peu l'idée, ça peut aider. Là, la boule, elle est mal faite parce qu'en fait, elle devrait se terminer ici, en fait. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas bonne. Donc on va essayer de vraiment refaire la boule sérieusement. On efface tout ça. Allez, oust, saucissonnez-vous. Tchoum-tchoumez-vous. Voilà, donc on va essayer de faire la boule correctement, la plus ronde possible, mais j'ai du mal. Ah oui, ok. En effet, là, il faut faire la boule un peu plus petite. C'est peut-être moi qui fais trop petit, trop gros. Ah, mais putain! Ouais, à peu près, on va dire que c'est... Ici, il faut faire une boule plus petite, en fait. En tout cas, c'est à peu près l'idée, c'est ça, quoi. Vous pouvez faire une boule et couper en plus ou moins au niveau du 2. Et ça permet d'aider au niveau anatomique pour mieux faire le dessin, tout simplement. C'est une technique qui peut fonctionner un peu. Ici, j'ai un peu de mal parce que moi, sur ma tablette, je dessine sur un écran de 32 pouces avec une tablette qui est 1000 fois plus petite. Donc, je suis déjà héroïque d'y arriver, on va dire. Vive les Wootoumous en mousse. Donc voilà. Hop. Mousse mousse mania. Attendez, hein, je suis en train de remettre correctement le truc. Ah, je pense que c'est bon là. On voit pas la tête de l'autre, vous allez me dire. Oui. Voilà, on va dire comme ça, on aura un peu les deux. Donc, ce qu'on va faire ici, eh bien, ici, en fait, je vais vous montrer tout simplement, en fait, ce que je vous ai dit. Donc, l'idée, en fait, tout simplement, c'est, je vais pas faire tout le corps, hein, c'est pas le but, hein, c'est juste vous montrer partie par partie. D'ailleurs, quand je dessine là, il n'y a rien, hein, hop. Donc, en bref, l'idée, c'est de faire tout simplement un test, vous montrer qu'il y a moyen de quand même d'y arriver. Donc, on va commencer par ici. Donc ce coude, donc on va commencer à voir si c'est possible de faire tout simplement un simple cercle pour céder. Donc ce sera un cercle un peu malade, mais c'est normal, je suis encore, je le répète, je suis sur le truc le plus difficile du monde, c'est les tablettes à non-écran, donc c'est pas facile. Donc voici mon joli ou cercle malade handicapé des fesses, MDR, XPT ou DRDR. Saucissonnez-vous. Donc voilà, ce qui se passe après, c'est qu'en fait, il suffit juste de le couper en deux, comme ceci, en faisant une sorte d'ellipse. Comme ceci. Donc l'ellipse doit tourner. Elle doit tourner en fait, comme ça, comme si. Pas tout à fait, elle doit pas forcément à 100% suivre le. Ça peut aider pour le volume aussi, donc c'est pas con. Donc ici, en fait, c'est le niveau de fin du corps de l'animal, des pattes, et du coup, là, ça peut vous donner éventuellement, du coup, ici, le repère du truc qui tourne, donc du coude de l'animal, tout simplement. Donc voilà, ça fait un truc comme ça. Donc, du coup, si on reprend le truc de ligne. Ça va faire un truc comme ça, hop. Donc ça c'est la ligne, hein. C'est une ligne que je crée visuelle. Donc là je vais faire une patte, je vais pas me prendre la tête, hein. J'ai fait une gourde là par contre. J'ai l'air à faire toujours une patte comme ça alors que non, on n'est pas obligé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. C'est pas facile pour moi, hein. Peut-être pas bien fait, on corrigera au fur et à mesure, mais
En soi, c'est à peu près ça. L'idée, c'est que vous faites un truc comme ça rapidement. C'est pour après. Après, vous devez corriger. Hein, vous laissez pas comme ça, bien sûr. Mais en soi, voilà, c'est un peu l'idée, c'est ça. Et si c'est à vous de rejoindre un peu, parce qu'il faut un peu de travail aussi. Hein, c'est pas parfait au pixel près. C'est de l'anatomie rapide, quoi, ce que je vous montre là. Hein. C'est pas l'anatomie parfaite de la mort qui tue, mais c'est, disons que ça permet déjà de faire un petit peu l'illusion, on va dire, que là, si vous avez beaucoup de mal avec l'anatomie, ça vous permet de donner une petite illusion de que ça soit correct au niveau anatomique, sans que ça soit non plus parfait non plus, parce que le parfait n'existe pas de toute façon. C'est une simple facilité, c'est une. D'ailleurs, ici, vous voyez qu'il y a un problème, hein, c'est pas bien. On va s'en battre les couilles, les woufflaquettes, pardon, les woufflaquettes. Du coup, je saurais même pas faire le reste, parce que. Il faut que je mesure ici au niveau de taille, il faut que je vérifie un peu le truc. Donc c'est ici, donc techniquement la patte elle doit être ici, mais bon j'ai pas de place, hein, ça, y a une tangente ici, je sais pas dessiner, mais on va pas s'occuper de ça. On va juste faire ça pour l'instant, on va pas s'en prendre. C'est ma faute, j'ai pas bien déplacé le truc correctement, on va peut-être le mettre plus haut. Attendez, il est où le tout pour déplacer? Voilà. N'oubliez pas de repasser là, sinon ça va être compliqué. Alors, du coup, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va essayer de vérifier à peu près le niveau du truc. Voilà. C'est pas parfait, hein, je vous rappelle, mais le but, c'est pas que ça soit parfait, c'est que on fait un truc ultra vite fait. Hein. C'est juste pour montrer un peu l'idée. C'est loin d'être, c'est même imparfait à hein, ce niveau-là, mais. C'est juste pour avoir une petite fin. Voilà, donc la pâte elle est mal mise en plus. C'est ça en fait, quand tu fais une t tu expliques aux gens et que tu fais un peu prof, tu peux pas non plus être perfect. C'est pas possible. Et ça sert à rien, surtout parce que déjà les gens qui viennent demander de l'aide, ils pourront pas faire un truc technique. Donc c'est bien de faire justement quelque chose qui est un peu vaseux. Qui est compréhensible, mais un peu vaseux. Je sais pas comment je peux pas l'expliquer plus autrement, mais c'est. Pas vaseux dans le truc, mais au niveau anatomique, je veux dire que ça soit compréhensible, mais pas complexe, c'est ça que je veux dire. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, quand même. Mais bon, je me comprends, c'est ce qui compte. Donc, si vous êtes intelligent, vous comprendrez. Si vous êtes un peu neuneux, vous comprendrez pas, mais je suis désolé. Mais ce que je dis est compréhensible. Hein. C'est juste que si vous ne comprenez pas, c'est que vous essayez pas. Parce que le vaseux, c'est souvent ce que l'être humain fait la plupart du temps, il fait jamais du précis. Ça doit être compréhensible quand même, mais je veux dire en théorie, quand tu dis, quand t'as un prof qui dessine quelque chose, c'est souvent jamais parfait, quoi. Parce que du coup, après, c'est à vous de corriger en fait, parce que c'est pas forcément parfait. Donc c'est ça le truc aussi après, peut-être que les gosses de 10 ans, ils vont pas corriger, ils vont dire, ouais, j'ai fini. Mais vous, si vous êtes un adulte et que ça ce genre de tutoriel vous a aidé, déjà, remerciez-moi etc. Bien sûr, c'est la moindre des choses, hein, que je me casse pas la tête pour rien. Mais le truc, c'est surtout que le but, c'est d'aider, quoi, anatomiquement, quoi. C'est pas une anatomie parfaite, certes. Mais le truc ici, c'est qu'on essaye en fait de comprendre l'anatomie et après corriger les erreurs. C'est le but ici. Même moi, je galère encore un peu parce que voilà, j'utilise une tablette de pauvre qui est la tablette la plus pourrie au monde. Parce que c'est vraiment des tablettes de merde, ces tablettes. J'aime pas les tablettes comme ça, comme j'ai là. J'aime pas parce que c'est pas précis, c'est casse-couille. C'est infernal, tout ce que vous voulez. Donc voilà, en bref, je déconseille si vous avez beaucoup de thunes, achetez une Wacom Cytink ou je sais pas quoi, mais n'achetez pas, c'est trop décourageant ce genre de tablette-là. C'est mieux de dessiner sur traditionnel et tout ça, parce que vous allez rentrer en dépression, MDR. Non mais c'est, en vrai, je déconne, en vrai, c'est plus sérieusement, ça prend, hein, mais c'est un peu chiant quand même. Ce que vous faites en fait que corriger tout le temps. Donc en général, voilà, vous voyez un peu l'idée, hein, en fait, hein, voilà. Donc ici maintenant si on prend une autre couleur,
ce qui va se passer, c'est que je peux vous montrer automatiquement ce qui s'est passé si j'y arrive. Donc on va trouver un truc plus gros. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que si on prend en compte seulement ce qui a été découpé, ça fait un truc comme ça. C'est un peu mes trucs sont un peu tremblants, mais c'est pas grave. Ça donne un peu, c'est à peu près ça en fait dans le rond. Hein. C'est voilà ce qui c'est, ce que j'ai pris tout simplement dans le rond pour faire le rond, le début de ça, hein. Le début de cette phalange, enfin pas de phalange, mais de niveau dorsal. C'est juste ça en fait, c'est le, je sais plus comment on appelle ça, le coude, le niveau du, non pas le coude, le poitral, enfin c'est pas le poitral, c'est le, je sais plus le nom, c'est le niveau du dos quoi, c'est, je sais plus trop le nom, j'ai pas retenu, mais ça, c'est pas important, le but c'est de savoir comment les faire et tout, c'est pas forcément de retenir les noms, je pense, ça sert à rien, c'est juste des noms quoi, enfin ça peut peut-être aider aussi, mais le problème c'est que j'ai oublié le nom. Même mon propre truc, je connais pas le nom et c'est chiant à retenir. Donc du coup voilà, c'est pas important pour l'instant. Et du coup voilà, en tout cas pour le début, en tout cas pour les pattes du début, voilà comment faire pour mieux s'en sortir quand vous êtes débutant. Donc voilà, du coup ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça et on refait un nouveau et on refait un nouveau et on refait un nouveau et on refait un nouveau. Voilà voilà. Vous voyez que c'est pas ouf hein, ces tablettes là, et pourtant c'est une tablette officielle hein, mais c'est pas, c'est mieux les Cintiq et tout ça, et tablette avec écran quoi, c'est tellement la belle vie. Mais après je sais pas quand j'aurai une tablette avec écran, si je peux toujours filmer, c'est ça qui va être compliqué. Donc si ça se peut, si quand je veux faire mes tutos, je serai obligé d'utiliser cette tablette là, mais vraiment sérieusement elle me sert quand même hein. Mais disons que c'est vrai que c'est, tu ressens que c'est pas ouf non plus. Donc maintenant on va faire le plus difficile. Le plus difficile tout simplement c'est la patte arrière. La patte arrière, ben, on peut tenter de voir si c'est faisable. Essayons de faire un rond. Un rond un peu handicapé. Mais c'est pas grave. Donc voilà, le rond handicapé est fait, MDR, XPT ou DRDR. Et ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est vous aider de ce rond. Donc attention, regardez bien, c'est droit, c'est pas comme ça. Donc ne pas vous faire avoir. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, ici, c'est de créer tout simplement un point de début et un point de fin. Et la fin de liaison, donc en fait vous allez tout simplement ici relier ces deux points comme ça, et c'est comme ça que vous allez faire le corps. Pareil ici, il faut pas vous faire avoir, c'est juste une aide en fait ici hein. Vous pouvez peut-être un peu dépasser légèrement, mais vous avez quand même une aide de proportion par rapport au reste, et en fait ça vous permet de faire un point ici en dehors et rejoindre à peu près. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir quand même un truc correct au niveau proportion. Donc, ça peut aider un rond quand même au niveau proportionnel. Tout simplement, ça aide pas mal au niveau anatomique. Donc, ce que vous faites après, c'est que vous faites ici le dos, le niveau du truc, la jambe. Ici, vous voyez, comme vous voyez ici, ça fait ça. Ce que je vais faire, c'est un peu approximatif. Voilà. C'est parfait, ça a aucune erreur. Non, j'ai connu, il y a blindé d'erreurs, c'est normal. C'est parce qu'il faut, vous voyez qu'il y a des problèmes avec ces tablettes. Hein. Vous voyez que envoyer de la thune, non, je suis con. Alors, plus sérieusement, à part cet humour complètement débile, c'est juste ici qu'il y a des problèmes. Hein. Il faut essayer de comprendre le niveau du truc. Donc, voilà, ça me dit, ok, mais mec, c'est un peu trop. Donc, du coup, voilà. Et en fait, après, ça descend comme ça.
Oui, vous avez vu qu'il tricha. Voilà, donc ça donne déjà un effet un peu plus correct. Parce que attention, on vous demande pas une anatomie parfaite. Hein. Ça n'existe pas une anatomie parfaite. Donc ne vous faites pas de mal en essayant de faire un truc perfect. Pareil pour la perspective. C'est bien d'apprendre, c'est bien. Mais si vous n'y arrivez pas, laissez tomber et entraînez-vous et faites des tutoriels et après recommencez plus tard. Mais ne vous forcez pas et après laissez tomber le dessin. C'est juste que vous manquez ouais, je fais la queue pour avoir un petit aperçu de son jeu, petit cul. Non, je connais. De ses fesses. Pour que vous voyez à peu près l'idée de fin en fait ici de l'animal. Donc voilà, là on a plus ou moins un corps. Comme vous voyez par exemple ici, au niveau du corps, il y a une jointure. Donc ça c'est plus ou moins. Donc il faut voir au niveau du coude. Donc la jointure elle se fait à ce niveau-là. Là elle est trop haute, hein. Et en fait ici ça, vous voyez ça, vous avez le ventre qui ressort à ce niveau-là. Donc comme je dis ici c'est un peu trop haut je pense, mais voilà c'est à peu près ça. Et du coup c'est ici en fait c'est ombré, hein, c'est des reflets d'ombre parce qu'en fait ici si vous voulez c'est les ombres qui impactent contre. Mais c'est normal parce que c'est l'ossature en fait. Parce que ici un peu plus loin vous voyez un peu les reflets d'ossature ici. Et vous voyez aussi le niveau ici d'ossature qui se crée. C'est normal, un animal il a des os, hein, il n'est pas en spaghetti, XPTO ou DRDR, et du coup tout ça. Et pourtant, quand vous voyez le dessin là et que vous voyez le mien, vous disiez en effet, c'est pas parfait. Et bien sûr, c'est bien sûr, on ne peut pas faire quelque chose de parfait non plus. Donc voilà, c'est juste avec le temps on s'améliore. D'ailleurs, ici anatomiquement, il y a un truc qui est louche. C'est que on a l'impression qu'il manque des proportions, donc il faut un peu modifier ici. Et au niveau du dos aussi, on a un peu l'impression qu'il y a un problème, donc voilà quoi. Donc on pourrait dire que c'est plutôt à ce niveau-là que l'animal. On va dire qu'au niveau. Dans l'idée, c'est à peu près ça. Et comme vous voyez ici, voilà, vous avez à peu près. Vous avez tout ça, c'est. C'est en perspective, hein. Tout ça c'est sous le corps. C'est tout ça, tout ce que je colorie là, c'est sous le corps. C'est pas au-dessus. Tout ce qui est au-dessus, c'est ici. C'est tout ça. Non, pas ça, ça c'est encore plus haut. C'est à ce niveau-là que c'est au-dessus. Tout ça, c'est en haut. D'où le fait que c'est un peu en perspective, donc c'est pour ça que c'est moins. Vous voyez un peu l'idée? Ici, c'est carrément en hauteur. Et ça, c'est bien aussi de savoir où sont les zones à peu près dans un autre sens, comme ici. Voilà, ici, on peut dire que tout ça, c'est dans l'ombre et c'est aussi surtout dans l'autre sens, c'est un peu plus loin en profondeur. Enfin, non plus maximum, mais c'est un peu plus loin en profondeur. Et ça permet de comprendre un peu mieux l'anatomie. Et là où je fais un rond, c'est là où c'est vraiment en face de vous. Et ça permet de mieux comprendre les choses. Là, c'est très vite fait, mais en théorie, voilà comment faire correctement une anatomie animale pour vous aider. Alors, il y a une autre technique que j'ai découvert qui s'appelle une youtubeuse qui s'appelle Art à la carte. Donc, ça s'appelle. Je comprenais jamais rien ce qu'elle dit parce que c'est anglophone, mais je regardais ce qu'elle faisait. Merde, attendez, je fais une connerie. C'est un nom dans ce sens-là, elle est anglophone. Peut-être qu'il y a un E à la fin, je sais pas, mais en tout cas, c'est cette personne-là. En fait, si vous voulez, cette personne, elle a expliqué des trucs qui sont intéressants, qui sont à base de boules, en fait. Bon, là, je vais trop vite, hein, ça c'est pas bon, mais c'est un peu. On peut tester éventuellement ça aussi, hein, la base de boules. Donc, déjà que ce truc-là, je le trouve bien, donc cette fois-ci, je ne le supprime pas. À ce moment-là, si je garde et je fais un nouveau calque et je masque celui-ci, comme ça, ce calque est toujours là, mais je le garde pour moi. Je sauvegarde aussi éventuellement. Voilà.
ce que j'en suis, j'aime bien l'idée de d'avoir, c'est bien de garder de quelques croquis. En fait, ce truc ici, c'est vraiment un truc d'étude. Je vais faire blindé de croquis, après je les fous comme ça, et de temps à autre, je switch en allumant et en fermant le LOL, vous voyez, et ça me permet de switcher de trucs pour dire, ah ouais, et je continue indéfiniment, ça va grossir, grossir, et ce sera que des études ici. Ce sera un cheetah crack. Étude de la Wu qui me qui tue sur les cheetahs. Donc voilà, c'est sympa. Ça aussi, c'est une bonne technique, c'est de créer un donc sur le truc un trita machin. Enfin, peu importe l'animal que vous étudiez, hein, mais créer tout simplement un ça quoi. Hein, quand vous faites votre peigne, quand vous enregistrez tout ce que là, tout est normal. Mais en fait, c'est pas juste faire un dessin et après, voilà, vous avez plus de place et vous faites sur les autres. Non, non. Pourquoi se prendre la tête? Vous masquez celui-là, vous faites une nouvelle feuille et vous avez des retours tout. Et ainsi de suite. Et après, vous masquez à chaque fois, vous verrouillez. Surtout pas oublier de verrouiller pour éviter de s'en faire exprès de dessiner dessus. Parce qu'il faut pas oublier que même si c'est invisible, si c'est déverrouillé et que vous dessinez dessus, ah non. Ça l'est, ça. Ok, c'est au cas où je croyais que c'était faisable, mais quand même, mais non, alors enfin, apparemment non, donc ça va. Mais ça peut dépendre peut-être des. Comment on appelle ça? Des logiciels en fait de dessin, peut-être qu'il y a certains logiciels qui ne prennent pas en compte et qui laissent toujours touchable et écrivable dessus, donc je sais pas, hein, c'est peut-être que je me trompe, mais en tout cas, sur Krita, vous pouvez savoir qu'il n'y a pas de problème quand c'est les yeux fermés, ça réagit comme un calque verrouillé. Au pire, de pas se prendre la tête de ça, mais moi je préfère quand même verrouiller en plus pour être sûr à 100% d'être tranquille. Ça permet vraiment de pas avoir de soucis. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des saucisses grillées pour tous. Non, je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de la technique de trois ronds. On va essayer d'étudier ça pour voir si c'est faisable. Donc, on va peut-être essayer de faire celui-là de haut. Donc, ce sera pas bien fait. Hein. Je vous préviens, c'est du fit. Ah! On est d'accord qu'il était là le truc. Pourquoi il s'est foutu? On va du coup essayer de faire que ce petit coquinou soit visible. Alors, c'est pas grave si le tout n'est pas visible. On va juste faire les deux débuts des trucs. Au pire, je peux juste temporairement le déplacer. Je redéplacerai plus tard autre part. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je peux éventuellement masquer l'un. Tout simplement. Je ne me prends pas la tête. Je masque juste un seul. D'ailleurs, j'aurais même pas dû me casser le cul. Hein, voilà, je peux le masquer tout simplement. Donc, voilà, il est masqué. Ça me permet de me concentrer uniquement sur celui-là. Enfin, les autres peuvent rester aussi. Hein, on peut les masquer aussi si on veut. Hein. Bien sûr, je me trompe. Bravo. Mais comme vous voyez, ils sont carrément en bordel, quoi. Donc voilà, on va masquer juste celui-là. Les autres ne me dérangent pas. Hein. Donc on est sur celui-ci. Donc je voudrais que tu te fermes, petit truc. Merci. Et du coup, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va se concentrer sur celui-là, quoi. Ce joli rond corps. Très beau et très fascinant à dessiner. Des saucisses grillées, voilà. C'est bon, je l'ai dessiné. Non, j'ai pas. Bon, plus sérieusement. Sérieux, sérieux. Sérieux, sérieux, Sam. Non. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se baser un peu sur la pose de cet animal. On va pas forcément à 100% faire pareil. Il y aura des erreurs anatomiques et tout ça. On s'en bat les steaks. C'est pas important. C'est pour vous apprendre à. On teste des choses. Je fais des tutoriels et des tests en même temps avec vous. C'est ma chaîne sert à ça, hein. Ça sert à rien d'autre de toute façon, parce que gaming ça marche pas, et aussi c'est parce que je m'en fous en fait, hein. Je vais pas vous mentir, je fais ce que je veux sur ma chaîne, donc vraiment c'est une chaîne poubelle à peu près, on peut dire pour l'instant. C'est pas une chaîne consacrée uniquement à je sais que ça peut être blessant, mais c'est comme ça que ça s'appelle, une chaîne où tu postes tout et n'importe quoi, parce que je vais peut-être poster plus tard des vidéos en fond vert avec moi et tout ça, j'en sais rien. Je peux poster de tout, absolument de tout et n'importe quoi sur cette chaîne, et je continuerai à faire comme ça, je me fais plaisir. Donc du coup, c'est vraiment une chaîne poubelle, c'est une chaîne fast-food, quoi. Enfin non, pas fast-food, une chaîne poubelle. Ça s'appelle comme ça, une chaîne où tu postes tout et n'importe quoi, et que c'est pas une chaîne seulement sur un seul thème.
Mais j'ai remarqué que souvent mes tutoriels et tout ça ont beaucoup plus de succès. Je fais des 1500, des 1000 vues et tout ça à chaque fois, presque à chaque fois. Alors que les autres vidéos, surtout gaming, ils peinent à dépasser les 20-30 vues. Donc voilà, c'est vraiment pour dire que ça a l'air de vous plaire. Donc je vais continuer sur cette idée-là un peu. Donc pour commencer, donc on va essayer de faire les boules. Il est un peu légèrement un chouïa en perspective, il n'est pas tout à fait de face, il est un peu tourné. Et si vous voulez, si on voudrait éventuellement l'étudier pour comprendre correctement comment il est fait, je vous montre pour que vous compreniez. Donc voilà. Donc si on voudrait comprendre en fait dans quel sens il est, le point de fuite il est en dehors. Cet animal a en deux points de fuite en fait. Je peux pas trop faire le point de fuite parce que c'est un peu compliqué en fait. En bref, si on veut être précis, c'est que le point de fuite il fait un truc dans le genre. C'est pas super. Ici, il y a la ligne d'horizon d'ailleurs. Le point de fuite il est là. Hein. Donc, du coup, il est en dehors de mon truc. Je peux pas vraiment m'en occuper. Mais l'idée que j'ai fait là est à peu près approximative. Vous voyez, ça fait un truc un peu dans le genre là. Du coup, ça fait un truc comme ça, vous voyez, niveau perspective, on est presque. C'est un peu vaseux, hein, la perspective que je vous fais, mais c'est un peu l'idée. Vous voyez, c'est à peu près ça, hein, à peu près. Et du coup, c'est l'idée. L'animal est en deux perspectives, tout simplement. Donc, c'est vraiment juste ça, en fait. Vous voyez, c'est juste ça, en fait. C'est dans deux cases. Donc, si on veut le foutre dans un carré, parce qu'il faut comprendre où c'est un peu. Si on le fout dans un carré, ça fait ça en fait. Ça fait tout simplement ça. Je vais essayer de faire un carré correct. Pas de facile. Je fais n'importe quoi en plus. Parce que c'est plutôt. Tout ici, hein, je pense. Plus ou moins. Parce que ici, ça, c'est plutôt. C'est plutôt tourné à ce niveau-là, ouais. Plutôt à ce niveau-là, c'est pas facile. Bon, le carré il sera bizarrement fait, hein. Je peux pas le faire à la perfection, mais bon. Ah, mais voilà, c'est ça qui m'énerve avec ce putain de truc de merde. Je suis obligé de faire des trucs comme ça, des traits, parce que sinon ça part en couille. C'est de la merde, ces systèmes de tablettes. J'aime. Donc, en fait, mourez! Donc, en fait, voilà, le carré. En principe, vous voyez bien ce que je fais. Là, on peut éventuellement. Voilà, un peu opacifier le truc pour mieux voir l'animal. Mais en bref, si on veut faire. Là, c'est le mettre complètement dans un carré, hein. C'est pour ça que c'est comme ça. Donc ici, vous voyez, même moi, je suis pas. C'est approximatif, hein, c'est pas parfait, mais bon, là, on va dire que. En fait, ça permet de savoir où se situe le point de fuite, en fait. Voilà. Et du coup, si vous mettez dans un carré, ça fait à peu près ça. Bon, c'est pas parfaitement bien fait, mais c'est parce que j'ai du mal. Vous foutez dans un carré. Carrétiser. On va carrétiser les gens au lieu de les tchouchoumiser. Là, ça donne à peu près ça, donc ah, côté de face et en fait le neutre. Ah, c'est pas parfait, hein. En fait, ici il faut prendre en compte que c'est ici en fait, donc là c'est pas bon déjà. Je vous dis, c'est de la merde ce système de trucs pour le dessin, c'est vraiment infaisable. Donc ici en fait j'ai fait une connerie, c'est parce qu'en fait ici le visage il est de face, donc ce qui est profil c'est ici. Je vais mettre des points de repère pour savoir ce qui est profil. Ça sera un peu de travers, mais ça c'est pas moi, hein. C'est la tablette qui fait de la merde. Ah mais c'est parce qu'elle était un peu tournée dans l'autre sens, d'accord. Ah mais non c'est bon, ou pas. Faites ça, non. Non non, faites juste de la merde. Ce que je vous jure que je suis droit, hein, dans ma tête. Lol. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi elle va de travers? Ouais, c'est un peu bizarre. Elle est un peu handicapée, ma tablette.
Ah mais je suis con, je suis un imbécile en fait. Pourquoi me casser le cul à faire ça comme ça alors qu'on a des trucs et des normales? Imbécile. Voilà. Oui, je suis un imbécile, je sais. Donc en fait, on va du coup prendre ce niveau-là plus ou moins. C'est pas parfait, mais bon voilà. Non. Ouais, mais non, il y a ça. Hein. Oh putain. C'est là que je bloque un peu moi parce que là sa tête elle est de face. Donc techniquement en fait ici j'ai un problème au niveau de l'affichage. Je sais pas trop ce que. Moi pour moi sincèrement on va pas prendre la tête en compte parce que il faut prendre le bloc entier. C'est ça que je pense en fait. Donc du coup techniquement si on veut faire le truc correct je pense que c'est plus ou moins. Ouais, c'est ça, hein, c'est à ce niveau-là. Hein. Ouais, bon, là, ça t'arrête de faire de la merde. Ouais, c'est à peu près ça. On va tester des trucs. Non, en fait, vous voyez, là, ça fait de la merde. Parce que c'est pas assez haut. Mais c'est à peu près ça, hein. C'est pas facile, croyez-le moi, avec cette tablette. C'est pas que je suis mauvais, c'est juste que cette tablette fait de la merde. Et du coup, ça marche mal, quoi. Mais en soi, voilà, c'est un peu l'idée, c'est un peu qui est dans. C'est même pas bon, en fait. Cette tablette fait vraiment de la merde. C'est vraiment la tablette qui est en faute, pas moi. Parce qu'en fait, elle ne met pas les traits où je veux. Bon, en tout cas, je sais que si on prend uniquement la tête, ça fait ça. La tête, je sais qu'elle est comme ça. Elle est de face. Donc ça c'est bon. Vous voyez, si la tête on la met de face, vu qu'elle est tournée de semi-profil. Ah voyez, le truc il fait de la merde. Que c'est là que j'ai arrêté. Donc elle est semi-profil, en fait, c'est ça qu'elle fait la tête. Vous voyez, la tête, on la comprend. Je la comprends, ça prouve que j'ai raison. Et que c'est là. La tête qui est. Voilà, la tête si on la met dans un carré. Vous voyez, ça fait un truc comme ça. Ça fait un peu comique, hein. Voilà, vous voyez là on voit on comprend le truc. Donc la tête ouais, ça fait rire. C'est à peu près ça. Mais je sais pas, pour tout le corps, j'ai du mal parce que le truc n'est pas bon. Mais en fait ici il faut imaginer que c'est normalement ici en fait qu'il faudrait mettre le truc en perspective. Mais si on va dire si on veut peut-être mettre tout l'ensemble, il faut fonctionner autrement en fait. Donc on va essayer de fonctionner en mode ensemble. Donc ça veut dire que si on veut fonctionner en mode ensemble, il faut comprendre le niveau de la perspective et vu que c'est de la perspective simple, je peux pas tout prendre, c'est un ensemble. Donc à ce moment-là, si on fait tout l'ensemble, vraiment sincèrement, ça commence à ce niveau-là. Vraiment, c'est approximatif, mais en soi, si on fait tout l'ensemble, absolument tout l'ensemble. Oui, il a bougé. Je prouve que c'est pas moi le tort en hein, tout ça. Le truc bouge tout seul. C'est cette tablette qui merde. Voilà. Hop. Voilà. Et du coup, soit. Ouais, ça. C'est à peu près ça. Bon là c'est pas tout à fait bon mais en soi voilà on s'en fout. Ce qui compte c'est qu'on fait une sorte de carré en fait. C'est pas un carré parfait certes mais le but c'est juste de montrer un peu l'idée. Et en fait ici en fait par la suite vous avez le. De l'autre côté du carré qui ressort, qui est un peu en fond là, qui se voit pas. Bon, moi j'arrive pas à le faire parce que ce truc merde complètement, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute du stylet que c'est galère avec ça. J'ai un peu de mal. Mais en soi, voilà, en soi, on comprend à peu près l'idée du carré. Vous voyez un peu le niveau. C'est un aperçu en fait de distance.
Et en fait, après, il faudrait éventuellement faire un truc comme ça. Mais le problème, c'était que vous n'allez pas comprendre. C'est l'arrière, ça. Donc, du coup, on va pas le faire parce que sinon, on comprend rien. C'est ça le problème. Parce qu'il faudrait peut-être faire un truc comme ça, peut-être, ou un machin comme ça. Mais le but, c'est qu'on comprend un peu rien. Et ça suffit, je suis dans le mauvais. Mais voilà. En soi, l'idée de perspective, en fait, c'est essayer de comprendre à faire un carré. De toute façon, vous êtes là pour étudier. Hein, donc, si vous êtes là et que ça vous saoule, ben, vous apprendre, je vous dis déjà. Laissez tomber tout intérêt de dessin, vous n'y arriverez jamais. Et c'est ultra sérieux. Parce que le dessin, ça demande du travail, du taf de ouf. Et c'est pas en voulant juste vite avoir un tuto vite fait que ça va vous aider. Hein. Donc j'essaie de voir pour régler le problème. Et puis de toute façon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et vous n'êtes pas obligé de tout regarder. C'est juste que ici, j'essaie de comprendre pourquoi. Bon, en soi, là, plus ou moins, c'est l'idée approximative est bonne. Plus ou moins, c'est plus ou moins bon. C'est à peu près ça, voilà. C'est l'idée, le carré. Après, il y a bel et bien un bout qui fait que si vous faites plusieurs trucs, bah, il y a bel et bien une fin de truc. Donc, ça veut dire qu'il y a bel et bien tout simplement quelque chose qui part en truc. Donc ça fait à peu près un truc comme ça, je pense. Ouais, et là. Quelque chose comme ça, quoi. Ouais, un truc dans le genre. Ouais, vous voyez à peu près, là c'est un peu approximatif et un peu mal fait. Mais c'est pour donner un petit aperçu de la 3D. C'est pas facile, hein. Donc voilà, vous avez un peu un aperçu de 3D en fait. Du truc, voilà, c'est pas facile pour moi. Voilà. Vous voyez mieux, normalement, c'est un peu mal fait. Hein, le cube, on est d'accord, il est pas bien géré, mais c'est parce que j'ai du mal avec cet outil. Et du coup, vu que je vais me concentrer sur le truc et en même temps l'outil, ben, ça fait que je fais mal les choses et c'est pas possible d'être concentré. J'ai du mal moi avec ça, mais je vous jure que je le ferais super bien si j'aurais pas ces difficultés-là. Parce que vous voyez, je galère. C'est vraiment à cause de cette tablette et le fait que j'ai horreur de ce genre de truc. Donc voilà. En bref, comme vous voyez, comme vous avez compris, mais on a deux trucs en fait de différence. C'est que ici, on a un côté qui est tout simplement par là. Hein. Qui est sur... On va reprendre de tout parce que ça commence sérieusement à m'énerver. Qui est simplement par là, qui va par là, et tout ça va dans cette direction-là. Tout ça là, il faut pas prendre en compte, c'est en arrière-plan. Hein. C'est pour essayer d'idée d'avoir une idée approximative, mais vraiment approximative, hein, de la 3D du cube. Pour comprendre la position dans la perspective et la 3D, l'animal. Et c'est pour ça, en fait, vous comprenez pourquoi j'ai du mal avec la tête. Parce que moi, en fait, je voulais fonctionner, mais en fait, il faut fonctionner dans l'ensemble. Et pas seulement la tête. Donc, si vous prenez juste la tête, oui, juste que la tête est en torsion, et en torsion, donc elle se tourne, donc ça s'appelle une torsion de la tête. Eh ben, du coup, vu qu'il y a sa tête est en torsion vers nous, ben c'est normal qu'elle n'est pas comme là. Mais s'il retourne sa tête dans l'autre sens, ce sera pareil. Elle sera dans la même perspective, tout simplement. C'est juste que, vu que sa tête n'est pas en torsion, elle n'est pas correctement mise, et justement elle est en torsion vers nous, enfin, plus de l'autre côté de l'horizon, ben ça fait cet effet-là. Donc ça, il faut aussi essayer de comprendre, plus ou moins. Pour s'améliorer en dessin, ça aide vachement et ça peut vous faire comprendre à peu près le niveau perspective à utiliser. Bon, bien sûr, la mienne est un peu cassée et craquée, mais en soi, l'idée est là. Mais en même temps, je ne vais pas recommencer mes tutoriels à chaque fois parce que je sais que je galère à ce niveau-là et ce qui m'intéresse, c'est de faire des études. Même si la vidéo dure 2 heures, je m'en fous. Le but, c'est de vous faire étudier et. Peu importe que je galère un peu et que je rage un peu, c'est comique, c'est rigolo. Au pire, c'est très rigolo, hein, très très fun de me voir rager, c'est très marrant. Moquez-vous de moi seulement et je vais vous tchoum tchoumiger en venant chez vous.
illégalement. Non, j'ai connu. Donc voilà, sincèrement, vous pouvez vous moquer, rien à faire. Essayez déjà de le faire si vous y arrivez, c'est pas facile, surtout avec une tablette. C'est mieux de faire ça en crayon, ce que je fais normalement. Hein. Mais là, le truc, c'est que je dois montrer. Et pour avoir une bonne qualité, je suis obligé d'utiliser ma tablette parce que j'ai pas d'autre technique. Parce qu'encore une fois, j'utilise mon AVerMedia Game Capture HD2 pour enregistrer comme si c'était une vidéo gaming, quoi. Mais au moins, vous avez une qualité optimale de... Ouais, parce que c'est du 60 FPS, si je me trompe pas. Hein. Sauf si ça a changé, mais voilà. Là, pour la fluidité, vous en avez. Hein. Alors, après, ce sera peut-être modifié, je sais pas. Peut-être que ça se mettra en 30 parce que je vais faire des modifications. Bah non, en fait, je vais rien faire. Je voulais mettre de la musique, mais je pense que non. Parce que le problème, c'est qu'avec la musique, ça va être en fond et ça va peut-être déconcentrer. Je sais pas, je verrai, je verrai. Mais je pense que sincèrement, mettre de la musique, ça sert à rien. Ouais, non, j'en mettrai pas parce que ça pourrait déranger et déconcentrer en fait. La musique, il faut pas la mettre. C'est des études, donc il faut pas de musique. Comme ça, on m'entend bien. Vous t'entendez que me son, ma ou voix en mousse. Ma ou moi. Bon. Alors, du coup, on va essayer maintenant la technique du ou dessin. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire du coup des ronds en prenant en compte la compréhension qu'on a eue. Qui est approximative, certes. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire des ronds dans le truc en comprenant un peu la 3D. Je crois bien ça va pas être parfait hein. Parce que j'ai un peu de mal. Oh. Non, hop la 3D. En fait, c'est des ronds qui se chevauchent à peu près. Voilà. On va dire qu'au niveau approximatif, on va dire que c'est à peu près bon. C'est pas parfait hein. Mais l'idée c'est ça hein. Vous voyez, c'est des ronds qui ici c'est derrière hein. Là, c'est pareil quand vous faites le rond, ben c'est derrière, ça c'est en arrière-plan. Ça n'existe pas, donc dans la théorie, il faudrait effacer ça. Je voudrais pas vraiment l'effacer, moi, c'est juste que je l'efface pour le remontrer correctement. Voilà, donc voilà ce qu'il faudrait faire du coup à ce moment-là, en fait, c'est juste. Après, je suis désolé pour les galères, peut-être ça doit vous énerver quand je rouspète et tout ça et que je râle, mais c'est parce que j'ai décidé d'être moi-même sur mes vidéos, donc si j'ai envie de râler, je râle et puis c'est tout. C'est pas retiens-toi, on s'en fout, on n'est pas commercial, on s'en branle. Et puis c'est rigolo, comme ça vous rigolez, parce que vous pouvez rire quand je rage à moi-même, que ça se fait, je suis mauvaise foi, et c'est pas possible. Je suis mauvaise foi avec cette petite tablette, c'est fort possible. Je suis humain après tout. Je suis en mousse. Je suis tout mou. Donc oui, les ou tout mou, ils font des erreurs comme tout être humain. Donc si ça se peut, je suis une grosse merde. Et j'agis pour... j'ai complètement tort sur tout ce que je dis. Mais c'est pas grave. C'est humain. Enfin, quand je dis tort, c'est dans le sens de rouspéter et dire que c'est la faute de la tablette. Alors que c'est juste à moi d'essayer de... Je sais que normalement c'est plus ça, hein, que c'est juste à moi d'essayer d'apprendre mieux, mais de mieux m'entraîner ou essayer de mieux gérer le truc. Mais bon, c'est toujours rigolo de rager un peu. C'est ma personnalité, c'est plus drôle, c'est plus marrant. Un bon coup de rage, ça fait du bien, comme ça après, ben, on s'en sort mieux. Que essayer de tout garder en soi, c'est pas bon. Donc voilà, comme ça vous me connaissez. Vous voyez même là que je galère encore, j'ai envie de détruire cette tablette avec des saucisses grillées pour tous. Donc en bref, vous avez compris, ça c'est en arrière-plan. Hein. C'est à ne pas prendre en compte. Je le mets quand même, mais je veux dire c'est pour l'effet 3D en fait que je le mets. Et du coup, comme vous voyez, c'est vraiment, vraiment arrière-plan à l'air arrière-plan quoi. Et en fait, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va tout simplement... Donc là, on va vraiment effacer tout un peu pour... On efface un peu pour mieux s'en sortir parce que sinon c'est trop gros et trop volumineux donc on comprend rien.
Donc voilà, ici ce qu'on peut tester, c'est de faire la technique du volume. Bon, bref, le principe que je vous ai appris là il y a quelques minutes, enfin quelques heures ou minutes, peu importe, 20 minutes, on va dire il y a 20 minutes plus, enfin peu importe, vous avez compris. Eh bien, c'est lié à cette idée-là aussi. C'est qu'en fait, ici, en fait, vous avez le ventre. Ici, vous avez le niveau des pattes et le niveau dorsal. Ici, vous avez le niveau dorsal. Là, vous avez le niveau des pattes qui commence tout simplement là. Donc là, c'est pas parfait. Hein. Le dessin n'est pas parfait du tout. Ça va de même mauvais. Donc, on va recommencer parce que je fais n'importe quoi. Donc ici, vous avez juste le niveau dorsal ici à ce niveau-là. Ici. Et vous avez les pattes et tout. Et par exemple, en fait, ça aide à faire regarder ce qu'on va faire. On va te faire le test déjà plus directement. Vous voyez, ça aide un peu à faire le dos à peu près dans l'idée. On se sera peut-être pas forcément assis comme ça, en fin de compte, on s'en fout. Le but, c'est juste vous montrer à quoi sert ces boules. Parce que je vais pas me prendre. Je vais peut-être tenter d'en faire un autre, mais en fait, celui-là, si vraiment je veux en faire un assis, ce serait plutôt un truc comme ça, en fait. Vous voyez, un truc dans le genre là. Là, c'est pas le cas, c'est plutôt un truc dans le genre ici, donc un truc levé. Donc ça, on va pas prendre en compte l'idée de ça, on fera ça après s'il faut, mais c'est parce que ici je dois expliquer. Vous voyez, c'est ça mon difficulté, c'est que en même temps, si je dois expliquer la théorie et faire le dessin en même temps, j'y arrive pas, je m'en mêle les pinceaux. Donc à ce moment-là, on se débrouille, on s'en sort différemment. Il faut trouver une adaptation. Donc du coup, on ne prend pas en compte celui-là réellement. Hein. C'est juste l'idée ici, c'est juste de comprendre à quoi sert cette technique de boule. Tout simplement, comment ça fonctionne en fait. Et après, on va en faire plusieurs pour tester. Et c'est tout. On va peut-être faire des en truc, mais voilà, l'idée c'est ça. Donc du coup, si je vais faire un truc de face, ce que là, du coup, si c'est pas ça, ça va être un peu bizarre. Ce que je peux faire éventuellement, c'est de tourner. Non, non, c'est pas ce que je voulais. C'est de tourner le truc. À l'époque, il y avait une technique pour tourner le truc. Ah voilà. Tourner le truc comme ça, on va dire. Voilà. Magie. Du coup, on a un truc plus droit. Et on peut faire un truc droit, hein, comme ici. Comme là, quoi. Comme, on va faire comme celui-là ici, c'est pareil presque. Un peu plus en perspective parce que c'est souvent aussi ça les raccourcis. Vous avez un peu de perspective. Donc en fait, regarde, ça vous aide à comprendre que ici il y a le ventre. Ici il y a le niveau des. Ici vous pouvez couper à moitié pour faire le niveau des pattes. Donc ici, voilà. Ici il y aura la patte tout simplement. Voilà, ici on a la patte. On va pas tout faire, hein, on fait juste ce niveau-là, c'est pour vous faire comprendre. Donc voilà, et si vous avez un peu l'aide de celui-ci, vous avez un peu d'aide à ce niveau-là, et ça aide pas mal, et c'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'il faut pas vous tromper, attention. Ne pas vous foirer dans le. C'est pas ça, la technique que je vous apprends, c'est vraiment, il faut comprendre. C'est pas ça en fait, hein. C'est pas faire des ronds comme ça, séparés, et voilà, vous faites des ronds comme ça, quoi. Parce que. Merde. Parce que des gens, ils vont faire peut-être ça. Ah. C'est pour que vous compreniez, pour pas vous tromper, c'est mauvais. Ça. Et je vais vous mettre le bon après, derrière. Hop. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir de, c'est de, c'est pour pouvoir tourner en perspective les animaux. Et là, il est un peu en perspective animal, hein. Un petit peu, pas trop non plus, hein. Lol. Et du coup, ça permet d'un peu mieux aider en fait l'anatomie. Vous voyez, ça me permet de m'améliorer au niveau des posages du corps. On peut voir son joli petit cul. Qui est là, là je fais de la merde bien sûr, c'est plus cool comme ça, hein. Trop cool, trop cool. Et du coup ça permet de voir en effet que ici tout vous dit coucou, il y a une limite et le niveau suivant ce sera ici que tu devras le faire. Du coup voilà, le niveau suivant ce sera ça. Vous voyez, c'est à peu près ça. Et j'ai une mouche qui me casse les couilles. Merci la mouche.
Donc là, c'est du vite fait. Hein. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mais en soi, c'est un peu ça. Hein. C'est pas parfait, mais c'est à peu près ça. Donc ici, vous voyez, je vais mettre en plus fort pour que vous voyez mieux. Voilà ce que ça donne au niveau anatomie. Donc il est légèrement un peu en perspective. Pas trop non plus, mais un petit peu. Là, vous voyez que je galère et que c'est pas bon du tout. Hein. Il faudrait refaire. Clairement refaire. Hein, parce que c'est pas bon du tout. Du coup. Hop. On s'en occupera derrière après. Je vais dire, oui, mais si je veux en faire un de comme ça. Ben à ce moment-là, en fait, il faut si celui-là, il est légèrement un peu en perspective, il n'est pas comme ceux-là. Ceux-là sont vraiment de profil. Mais le mien, il est légèrement un peu en perspective. C'est aussi l'idée, en fait, de ce truc-là, c'est que ça aide. Vous voyez, parce que là, après, vous pouvez faire un truc comme ça. Dans l'idée, c'est un peu ça. Hein. Hop. Merde, attendez, il y a un problème. Pourquoi ça, c'est si fort? J'aime pas quand c'est si fort. Voilà. En fait, ici, il est un peu en perspective. On peut zoomer d'ailleurs, parce que je suis un imbécile. En fait, depuis le début, je fais n'importe quoi, je vous le dis. En fait, ici, il est un peu en perspective. En fait, vous pouvez faire un truc à peu près comme ça. Et ça vous permet de après corriger un peu anatomiquement le corps de l'animal, qui n'est pas toujours parfait, parce que là, vous le travaillez, vous le modelez. Voilà. Que comme je dis encore une fois, c'est d'apprentissage, rien n'est parfait, tout s'apprend. Bien sûr, en fin de quand vous terminez le dessin, c'est à peu près comme ça que c'est, hein. il faut pas laisser trop voir ça, parce qu'en fait oui, le truc fait ça, il va faire comme ça parce que c'est le thorax et tout ça, ça fait un truc dans le genre là, c'est tout à fait logique, c'est une bonne anatomie, c'est très correct. Mais le truc, c'est qu'on voit pas les lignes là, elles sont intérieures, vous voyez. Et là, vous avez le niveau du thorax de l'animal. Bon, après, ma perspective n'est peut-être pas correcte, hein, à 100% correcte. Hein, attention, je suis pas un professionnel de la perspective de la mort qui tue. Donc, c'est pas forcément ultra correct. Et vous voyez, après, vous peaufinez un peu. Et du coup, ça permet de... D'ailleurs, ce que j'ai fait là est mauvais. Il faut laisser un peu parce que ça permet que vous voyez un peu... Ouais, bon, laissez un peu, j'efface tout. C'est juste un peu disparaître. Encore. Mais voilà, ça c'est parfait. Voilà, vous laissez un peu visible pour. Enfin, moi je laisse un peu visible plutôt, pas vous. Vous pouvez retirer. Hein. Donc voilà, en fait, ici ça vous mène un perçu du thorax qui va ici. Et vu que c'est un peu que ça fait un truc comme ça. Ah. Là j'ai fait de la merde parce que j'ai appuyé sur mon bouton. Ça fait un truc dans le sens là. Et du coup, ben oui, là ça redescend un peu. Là c'est le niveau de la cage thoracique. Enfin, c'est un peu le début. C'est à peu près ça. Désolé si c'est pas parfait. Hein. C'est pas facile pour moi. Donc il suffit de un peu effacer ici. On va tout effacer ici parce que c'est du brouillis. N'hésitez pas à effacer pour recommencer, pour vous en sortir. Parce que là, comme vous voyez, c'est tellement brouillon que j'y comprends rien. Du coup, c'est un peu comique et un peu ironique parce que le mec, il essaie de vous aider et en même temps, il comprend même pas ce qu'il fait. Donc ici, du coup, vous avez le niveau du thorax qui passe comme ça. Et du coup, comme je dis, c'est pas parfait. Hein. Du coup, ça fait un truc dans le genre. C'est pas parfait, encore une fois, je le répète encore. Si je le répète 50 000 fois, c'est normal. Là, c'est pas bon, hein. Mais bon, je vous montre à peu près l'idée. Après, en fait, c'est à vous de corriger et à modeler le truc pour que ça soit correct. Parce qu'en vu que moi je suis en perspective, c'est encore plus difficile. Voilà, là c'est correct. Là, ce que j'ai fait, c'est plus ou moins correct, ça passe. C'est correct. Vérifie. Ouais, ça a l'air d'être déjà mieux.
Oui, mon animal n'a pas de tête, c'est pas grave. Donc ici, du coup, ça permet d'avoir une approximation en perspective puisque ça fait ça. Hein. Ben, ici, c'est plus ou moins à peu près l'idée. C'est que ici, ça va frôler, en fait. Truc. Et c'est ici que vous allez avoir le reste du corps. Après, c'est pas parfait, je rappelle, c'est approximatif ce que je fais, mais c'est suffisant pour qu'on nique ta saucisse grillée et tout. C'est suffisant que vous pour que vous compreniez. Ah. On est d'accord, hein, les pâtes ici sont pas bonnes, hein. Mais on s'en fout, c'est pour l'idée en soi. C'est pas parfait, parfait. La Pexetti n'est pas forcément ultra parfaite. Mais en soi, voilà, c'est à peu près ça que ça devrait faire en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est pas parfait, parfait, mais c'est l'idée en soi, c'est ça. Hein. C'est qu'ici, vous avez la perspective et vous avez le corps ici, les pattes qui vont à ce niveau-là. C'est à vous de bidouiller pour que ça soit correct. Il n'y a pas de magie, hein. Le dessin, c'est pas de la magie. Donc, il faut essayer de comprendre l'anatomie correctement. Il faut beaucoup recommencer, comme je vous montre là. Et encore, moi, c'est parce que je fais un peu la va-vite, mais en soi, voilà. En théorie, en fait, ça, c'est pas bon. Dégage la ligne. Merci. En théorie, en fait, voilà, c'est à peu près ça. On va pas faire les pattes entières parce que ça, on s'en fout. C'est juste ça qu'on va comprendre. Après, vous avez. Ça fait bizarre de ne pas avoir de cou, au moins. Vous avez ici le niveau du cou, bien sûr, de l'animal. Mais ça, on va pas le prendre en compte parce qu'on s'en fout. On étudie plutôt le corps entier. On étudie le corps en soi, pas tout. Une chose, des parties à la fois. Parce que si vous voulez tout étudier, vous n'en sortirez pas. Donc, ici, par exemple, vous êtes en perspective. Donc, ça fait un truc comme ça. N'oubliez pas que c'est quelque chose comme ça que ça fait. Donc, du coup, vous avez le passoire de là. Vous avez le truc là. N'hésitez pas de vous aider avec les références si vous avez un peu de difficulté. Parce qu'en fait, il faut comprendre l'ossature ici, le niveau du truc, comment ça fait. Donc ça fait choupe, choupe, choupe. Ça fait pas choupe. Ça fait pas choupe, pas de choupe. Donc ici, en fait, c'est au niveau du coude, il est plus ou moins dans cette zone-ci. Encore une fois, il y a beaucoup de traits, c'est ça qui fait que c'est un peu compréhensible. N'hésitez pas à effacer, surtout si vous aidez des gens et que vous apprenez, comme mon andoule, comme moi, à des gens à dessiner des dessins. Et aider que les gens comprennent un peu l'idée. Parce que oui, ils savent que ça c'est bien, c'est bien, mais ici nous on est plutôt à l'approximation de création du dessin. En fait, ce qui se passe, c'est que à ce niveau-là, il faut pas oublier que le corps. À les pattes, le corps, le truc qui doit s'attacher quelque part. Il faut l'attacher le truc. Donc il faut l'attacher quelque part et puis hop. On va essayer de faire un truc rapidement, on va corriger par la suite. Donc là c'est pas parfait, hein. Mais ça aide, hein, ça aide un peu quand même. Je veux dire, mon cul, tu galères. Mais c'est pas, non, c'est parce que moi, je galère toujours dans mes dessins parce que je suis perfectionniste. Mais si vous êtes un, vous en foutez, que vous êtes plus comme ça, vous allez y arriver ultra facilement. Par rapport à moi, en tout cas, ça va être autre chose. C'est parce que j'ai un peu de mal avec la perspective. Mais en soi, c'est bon. C'est quand même correct. Ça permet de d'aider. Ici, c'est un peu, c'est parce que j'ai un peu de mal encore avec les pattes arrière. C'est aussi pour ça. Mais en soi, c'est ça l'idée. C'est que il faut faire l'arrière, comme je vous ai montré. Il faut recommencer, recommencer jusqu'à temps que vous y arrivez, parce que vous galérez comme moi. Voilà, net. Le mec qui dit la vérité, tout ça. Du coup, hop, il faut essayer de comprendre la 3D aussi, hein. Ça aide pas mal. Donc du coup, hop. Non, non, mais plus sérieusement, c'est parce que j'ai encore un peu de mal avec le coude.
en soi, c'est à peu près ça. Ouais. Le problème, c'est que du coup, ici, j'ai plus accès à mes références. Du coup, ça me handicape un peu. Voilà, ça permet d'aider un peu et de comprendre en fait que, en effet, faut peut-être faire un truc plus bas. En fait, il y a un truc que j'ai pas respecté non plus. Vous voyez, quand je dis qu'il faut faire attention, et c'est que j'avais déjà expliqué en fait que oui, ok pour certaines choses, mais le problème c'est que ici, on avait dit qu'il fallait couper en deux le rond. Maintenant, perspective, faut essayer de s'en sortir à le couper en deux. Parce que ça, en fait, c'est la fin du truc, ok. Mais nous, on est obligé de couper en deux trucs. Donc, du coup, on va essayer d'aller plus loin et de essayer de pré-créer le truc. Donc, du coup, ici, nous, on va aller à ce niveau-là. Et on va ici, ici seulement, faire l'injonction anatomique. Et ici, on aura tout simplement le coude, plus ou moins, de l'animal. Et du coup, vous avez un peu un aperçu du corps qui est pas parfait, certes, mais qui est plus ou moins passable. Parce qu'encore une fois, c'est pas facile le corps animal, l'anatomie humaine en soi n'est pas ultra facile à faire. Regardez comme je merde. Voilà, je dessine bien, hein. Non, je galère. C'est de la merde. Donc voilà, je galère beaucoup aussi, comme vous voyez. Mais tant mieux, je fais exprès. C'est comme ça, vous galérez aussi. Enfin non, c'est pour dire que ça prouve que moi aussi, je dois aussi encore apprendre l'anatomie. Et j'ai encore beaucoup d'études à faire sur ça. J'en ai beaucoup étudié pourtant. Hein. Beaucoup. Énormément, man, à l'extrême, l'anatomie. Mais malgré tout, je galère toujours, en fait. C'est surtout ceux d'arrière-plan que j'ai encore un peu de mal. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de simplifier les choses, c'est de faire une sorte de sac. Ça peut aider éventuellement aussi. Vous allez dire, c'est quoi un sac? Un sac, c'est ça. Donc ça, c'est l'idée du sac. Ah, nique ta mare. Donc, faire une sorte de sac, c'est ça. Puis après, en fait, il suffit de faire le reste. Mais encore une fois, ici, anatomiquement, il y a un problème. Bon. Donc, on peut faire un sac, mais si vous arrivez à le faire correctement aussi. Ça peut être pratique de savoir faire les choses correctement. Donc, vous effacez et vous entraînez à tester juste là. C'est galère, hein, c'est galère. Mais en fait, le truc, c'est que le sac, je peux pas le mettre n'importe où. Parce que, vu que c'est en perspective, il devrait plutôt être par là, voilà. Vous faites une sorte de sac, en fait, comme ça. Enfin, j'appelle ça un sac. Du coup, vous faites une autre boule qui fait ça. Qui rejoint comme ça le truc. Et là, vous ressortez. Mais en fait, ça, on n'a pas besoin de faire. En fait, c'est juste là, c'est juste ça, en fait, qu'il faut faire. Voilà, juste ça, c'est tout. Je vous montre. Donc voilà, c'est bon. C'est juste ça, sur ça qu'on va se concentrer. On se concentrera le reste plus tard, parce que sinon, je m'en sors pas. Donc voilà, regardez un peu ce que ça donne en termes anatomiques. On a un peu l'idée. Ici, vous avez le niveau de la côte. On a les trucs d'os. On a les trucs d'ossement, quoi. Voilà. Vous avez à peu près ici l'ossature. Ici, c'est comme s'il était maigre. Et ça prend fin ici. Mais en fait, c'est juste que. C'est pas que ça prend fin. C'est que. Vu qu'il y a de la perspective, c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est plus ici qu'il a le truc. Donc on peut éventuellement le faire là. Et en fait, c'est la cage thoracique. En fait, c'est plus ou moins la cage thoracique que vous voyez là. Mais après, c'est à vous de peaufiner pour que ça soit plus correct. Mais c'est à peu près l'idée, en fait. Il
faut essayer d'apprendre à faire correctement. Donc vous voyez, l'anatomie elle est un peu foireuse, mais c'est pas grave. Du coup oui, c'est pas grave, c'est parce que je dois apprendre les pattes arrière, je dois vraiment les apprendre. J'ai beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, pourtant je me suis entraîné à fond sur ces pattes, mais ça veut pas rentrer dans mon cerveau de tout mou. Donc je sais pas pourquoi. Pourtant ici vous avez une aide, hein. Quand vous avez là, vous avez ici, ben, vous pouvez comprendre normalement que en effet ça fait. En fait c'est le niveau du coude que j'ai du mal à placer en fait. Mais en fait, peut-être en étant moins con et en faisant peut-être éventuellement la ligne d'horizon, en étant moins con et me dire que le coude est ici, ça devrait faire un truc comme ça en fait. Donc techniquement, si ça devrait s'arrêter, ça devrait s'arrêter ici. Ouais, dans la technique, ouais, c'est la théorie, elle est bonne, mais je sais pas pourquoi après les trucs qui ça foire complètement. Non, attends. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, c'est pas bien super fait, mais on va dire à peu près dans l'idée. C'est à peu près l'idée d'anatomique en pas très parfait, mais voilà, ouais. Donc voilà à peu près l'idée. Là c'est mal fait, hein, on est d'accord, c'est pas bon, mais on s'en fout. Le but c'est d'apprendre ça, tout ça. Le but c'est de comprendre tout ça en fait, parce qu'en fait moi c'est là que j'ai difficile, c'est tout ça, ce que je vous entoure là. Donc du coup je vous fais un cours où je galère et je vous poste ça pour avoir un souvenir de ça. Mais pour les pattes en général, ça passe un peu mieux parce que je me suis pas mal entraîné. Et du coup, les pattes, ça va un petit peu mieux au niveau anatomique. Je m'en sors un peu mieux au niveau des pattes. Voilà, parce que je sais que les pattes, c'est comme ça en fait, hein, tout simplement. Je sais que ça remonte un truc dans le genre. Vous voyez, là j'ai un peu plus de facilité à dessiner des pattes correctement. Bon, là c'était une version un peu simplifiée, mais vous voyez un peu le truc. Là c'est vraiment un peu fortement simplifié, mais en soi, voilà, ça prouve que je sais faire les pattes, hein, c'est pas le problème. Mais c'est juste que je galère un peu parce que. Parce que voilà, quoi, c'est pas facile avec cette tablette. Voilà, une patte plus correcte, plus ou moins correcte, c'est à peu près ça quoi. Putain, ce truc. Voilà. Ça, c'est une patte un peu plus réaliste, hein, vous voyez que c'est bien fait. Hein. C'est pas parfait, mais c'est bien fait parce que j'ai du mal, mais avec ce truc, mais voilà. Voilà, à peu près c'est un peu l'idée. Donc les pattes, je sais, ici je fais vite, c'est pour ça que c'est mal fait, mais je sais les faire plus ou moins correctement. C'est pas le problème, c'est pas les pattes mon problème pour l'instant, c'est ça tout simplement. C'est tout ce qui est en tous ces trucs-là du corps que j'ai beaucoup de mal à dessiner, ce qui fait que c'est pas super bien fait. Et surtout qu'après il faut, c'est bien d'avoir fait ça et tout ça, mais après il faut peut-être comprendre éventuellement. Ben c'est bien, maintenant est-ce que tu saurais refaire la suite? Donc pour faire comprendre le truc aux gens, est-ce que tu saurais faire la suite du corps? Donc ça veut dire le reste. Est-ce que tu te sens capable de faire la suite? Pour faire comprendre justement que l'animal est bien mis. Parce que là c'est un peu mal fait. Est-ce que tu serais capable de le faire? Parce que du coup, vu qu'on a vu. Ça rime. Vu qu'on a vu où sont les pattes un peu mal faites, hein, on est d'accord, c'est mal proportionné. Hein. Mais on s'en fout, c'est juste une inaperçue. Bah, dans la théorie, en fait, selon le truc là, c'est que la pâte, elle devrait être ici, en fait. Plus ou moins, vaguement, elle devrait être ici. Voilà. Et là, du coup, en effet, ça marche un peu. On voit un peu l'idée. On voit un peu, en effet, que ces têtes-là, en effet, qu'elles se trouvent. Parce que ça aide un peu. Et du coup, on voit un peu l'idée.
Ouais, la pâte, vous voyez, c'est à peu près ça. C'est pas parfait, hein, mais c'est à peu près l'idée où se trouvent les trucs et la pâte et tout ça. Donc voilà, c'était juste un petit tutoriel comme ça pour vous montrer en galérant, hein, bien sûr, mais j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. On peut éventuellement en fin de vidéo essayer de tenter d'autres tentatives, tout simplement en essayant de faire d'autres dessins, mais en gardant un peu les références près de soi, parce que c'est bien, c'est cool les références. Trop cool, trop cool. Trop top, trop top. Donc pour terminer, on va tenter des trucs rapidement, des tests. Donc on va essayer d'en faire un, on va galérer pour le LOL. On va essayer d'en faire un assis, mais ça va être galéré. Ça va être galérien. Donc on va essayer de voir si en fait, avec ce genre de technique, en fait, est-ce qu'on sait avoir des proportions correctes? Apparemment, oui, plus ou moins, vaguement. Mais on va essayer de continuer à comprendre. Le truc en fait, c'est qu'il faut peut-être essayer d'aussi comprendre l'idée du rond. C'est bien de faire un rond. Il faut peut-être comprendre et se dire, oui, mais le rond, il faut essayer d'imaginer en 3D. Donc en 3D, ça veut dire qu'il faut faire un truc comme ça. Voilà. C'est une 3D handicapée, hein, parce que je fais toujours des ronds handicapés, mais en soi, ça aide pas mal. On va essayer de faire ça correctement. Oui, bon, voilà, c'est un rond handicapé comme d'hab. Et vous voyez, il y a une sorte de 3D là, du coup, d'un coup qui se fait. Et du coup, en fait, c'est ça qu'il faut essayer peut-être d'éventuellement faire. Créer un rond un peu plus ou moins en 3D. Après, vous recréez votre deuxième rond que vous mettez ici. Donc ici, on doit en faire un ici. Donc c'est plus ou moins là, alors. Vaguement. Et le dernier, c'est peut-être ici. C'est pas parfait, hein, mais on va dire quoi, ça approximativement ça passe. Parce que je suis pas un pro du rond. Je suis un peu comique, hein. Voilà, hop. Je suis un peu rigolo. Mais sachez de toute façon qu'il n'y a pas de honte à pas savoir faire correctement l'anatomie parce que vous êtes nul. Non, je déconne. Parce que plus sérieusement, parce que c'est dur l'anatomie. C'est vraiment hardcore. C'est vraiment dur. Même moi, je voudrais vraiment être bon en anatomie, un truc de même le meilleur du monde, MDR. Non, je déconne. Donc voilà, je voudrais être ultra bon en anatomie. Et quand on voit ce que je fais, on se dit, ouais, bah, Coco, t'es loin d'y arriver. Hein. T'en as pour 10 ans. Je sais. Donc voilà, vite fait. L'idée c'est ça. Ça vous donne un peu d'idées, un peu d'idées 3D. Donc voilà, c'est à peu près ça. Après, bien sûr, vous effacez un peu parce que si vous laissez ça comme ça, vous allez galérer votre mère le faire. Donc ce que vous faites, c'est que vous effacez un peu. Attends, merci. Vous effacez un petit peu ça. On pourrait faire un deuxième calque, mais moi j'ai pas envie, je préfère laisser tout sur calque. Et en fait, vous effacez au moment où ça soit assez peu visible, mais suffisamment visible. Là, ça a l'air d'être bon. Voilà, là c'est bon. Donc, ça vous mettez à 60-50% éventuellement. Donc voilà, on y est. Maintenant, on va essayer de faire un assis. Et d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir refait le même couille qu'avant. Décidément, j'arrive pas. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que là, non, c'est plus ou moins ça. C'est plus celui-là qui est mal mis. Ah, peut-être qu'il faut mettre plus là, celui-là. Ouais, peut-être. Ouais, vous voyez, je galère toujours autant. Hein. C'est ce qui prouve que même avec des boules, c'est compliqué, quoi. C'est pas forcément facile, quoi. Donc on recommence. Jusqu'à temps qu'on y arrive, quoi. On arrive.
L'idée, c'est peut-être éventuellement céder en faisant ça, hein. Y a pas des, y a pas d'interdiction. Vous faites un truc comme ça, en fait. Et en fait, depuis le début, j'avais pas tort. En fait, ça fait bien comme ça. Hein. C'est pas une erreur. C'est juste moi qui est trop complexe et qui me prend la tête pour rien. Parce qu'en fait, c'est oui, il est assis, mais il est pas comme ça. Je veux dire qu'il est pas, il est pas assis, genre vraiment. Vous savez, il est assis, mais il est pas assis comme un humain. Je veux dire qu'il est pas au point d'avoir le dos droit. Moi dans ma tête, son dos il était comme ça en fait. Je vous montre dans ma tête comment ça se passait. En fait dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais ça me disait, ok l'animal il est assis comme ça en fait. Merde, c'est pourquoi c'est du rouge. Donc l'animal il est... Attendez, on va retirer cette merde. J'ai dit, on va retirer cette merde. Donc en fait dans ma tête il était assis comme ça en fait l'animal tout simplement un truc dans le genre vous voyez qu'il était assis à peu près comme ça en bref et du coup les pattes elles devraient être comme ça vous voyez c'est vite fait hein, c'est pour vous montrer mais dans ma tête c'était comme ça quoi donc du coup c'était tout droit genre l'animal il était complètement assis comme ça alors que non. Il n'est pas assis comme ça du tout. Il est assis dans ce sens-là, mais à la verticale et pas à l'horizontale. C'est l'inverse. Il n'est pas assis à l'horizontale, il est assis à la verticale. Excusez-moi, je confonds les deux. Horizontale, c'est ça. Verticale, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je me répète pour bien préciser. Moi, dans ma tête, je pensais que l'animal était assis à la verticale, alors que non. Il est celui-là, il est plus assis entre les semi-horizontales, semi-verticales, donc plus, on va dire, à l'horizontale. Mais en tout cas, pas comme dans ma tête, quoi. Et c'est pour ça que je me disais, ah, c'est bizarre, quand je fais les ronds, on dirait qu'il est, je sais pas, à moitié, genre, comme ça, voilà, je sais pas, on dirait qu'il est à moitié sur une surface plate, mais qu'il va se péter la gueule ou en version fichale. Mais non, 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 c'est pas ça. Enfin, mon cerveau, c'est un peu un caca, comme vous avez compris. Non, c'est pas ça. Donc on va maintenant dire à son ou cerveau en mousse de se ou calmer. Petit ou cerveau en mousse. Mousse mousse toi. Oui, mousse mousse toi. Voilà. On a dit à notre ou cerveau en mousse de se mousse mousser. De se mousse mousser. Allez, let's go. Donc, on va essayer peut-être éventuellement de faire la ou tête. On va essayer de faire un truc correct. On va se baser sur ça. Et du coup. Attends, ce ne sera pas un destin parfait. Hein. Je le dis déjà. Vous attendez pas de merveille. Hein. Attendez-vous à un truc un peu mal foutu parce que ce sera du. Parce que le ce sera de la, un peu merdique. C'est d'approximatif, mais à un niveau de ouf, quoi. Donc déjà, il faut un coup. Donc le coup, on va le mettre. Voilà. Le coup. Ici, on met plus ou moins un coup là. Je sais pas s'il est long ou trop long, mais voilà. Du coup, ici, on va mettre le début du commencement. L'approximation. Ah. Voilà, c'est à peu près ça. Bon, c'est pas parfait, hein. Encore une fois, je le dis, hein. C'est pas parfait et c'est normal parce que c'est difficile. Donc voilà, ce qu'on a ça approximativement.
C'est génial, c'est parfait, c'est goûteux, c'est réussite sur 20. Du coup, après, vous effacez. Ah, c'est trop effacé. Vous effacez un peu pour vous aider. Après, vous pouvez utiliser une autre méthode. Hein. Moi, je me complique la vie parce que j'aime faire ça, parce que je suis majocciste. Mais si vous préférez plutôt faire un nouveau calque, ce qui est beaucoup plus intelligent, hein, eh ben faites-le. Soyez plus intelligent que moi. C'est juste que moi, voilà, j'aime me compliquer la vie, enchanté, ou tout mou, complique, X compliqueté de tout tout mini. Tout mou, tout doux. Donc, du coup, on vit à l'USAI, c'est la tête pour la reprogrammer correctement, avoir une tête un peu plus correcte, parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu trop petite par rapport au corps. Elle le sera peut-être encore, hein, parce que comme j'ai dit encore une fois, je suis pas un dieu de l'anatomie. Elle sera peut-être vaguement bonne, mais c'est pas non plus le truc ouf, quoi. Donc ici, je prépare les traits. Oh. Bon, mais on va essayer, hein. Regardez bien. Alors, est-ce que ça peut nous aider? Je pense que oui, parce que à ce niveau-là, on peut voir qu'il y a, c'est ici qu'on peut mettre plus ou moins le point de repère vaguement. Niveau perspective, je dirais c'est à ce niveau-là. D'ailleurs, on a éventuellement ici la tête qui se met un. On va mettre un carré pour faire comprendre où est la truc-truffe. C'est du vite fait, hein, c'est juste pour montrer un peu où est la tête. On dirait un cheetah japonais, MDR. D'ailleurs, en vrai, c'est pas bon parce qu'il est beaucoup plus tourné par là, donc en théorie, ça devrait être plus un truc comme ça. Mais bon, là, on s'en fout, c'est pas le but, c'est pas de faire un truc comme ça, c'est juste pour avoir une approximation rapide et ultra rapide pour l'idée. C'est une idée, ça, en général, c'est juste une idée de construction. C'est à corriger, bien sûr. C'est pour vous faire comprendre que quand vous commencez à construire vos dessins, il ne faut pas vous prendre la tête non plus. Vous pouvez toujours peaufiner à la fin. Avant de terminer, c'est le principe d'un croquis. C'est un truc qui est jamais parfait. Donc ici, vous voyez l'anatomie de ce beau gosse. Donc ici, bien sûr, comme j'ai dit, c'est pas du tout bon. Oui, j'ai des jeunes des jeunes. C'est pas du tout bon, hein. Si on veut être plus compréhensible et s'en sortir mieux, c'est qu'il faut faire un truc comme ça d'aide. Toujours un peu de mal avec ce truc là, moi. C'est normal parce que c'est. Bon, il sera pas parfait, mais voilà. Donc en soi, l'idée c'est que là, en fait, la truc-truffe, elle est distordue en fait. Et du coup, ça donne un truc comme ça en fait, hein, tout simplement. C'est du rapidement fait, hein. Ce sera très mal fait, hein, je préviens. Et c'est normal, c'est voulu. C'est pour donner une approximation rapide, tout simple. Oh, Krita, fais pas chier. Arrête d'enregistrer. Arrête d'être utile, Krita. Voilà. Donc en bref, c'est à peu près ça. Et vous voyez, du coup, on voit mieux où se trouve la limite, peut-être, éventuellement. Là, on dirait autre chose qu'un phénomène, on s'en fout, sur vous. Donc voilà, là, plus ou moins, on a à peu près, c'est pas parfait, hein, mais à peu près l'idée de torsion, qui va par là. En fait, ça va, la tête va par là, tout simplement. On a à peu près l'idée de ça, en fait, tout simplement. C'est pour avoir un petit aperçu rapide. Du coup, on a le coup ici qu'on peut peut-être commencer un peu à mettre pour voir si c'est faisable. Et c'est en effet faisable, comme ça rassure un peu parce que ça me dérange un peu. Du coup, voilà, ici vous avez. En fait, vous avez déjà plus d'aide parce que ici ça vous permet de dire, ok, en perspective, ça fait un truc comme ça en fait. Vous voyez, ça c'est la torsion. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que ici vous avez l'anatomie. Déjà, je sais pas d'où vient cette ligne. J'ai pas compris son utilité. C'est une ligne qui ne vient nulle part. Ah, c'est celle-là. Mais elle est mal faite. Des fois, j'ai des lignes qui viennent de nulle part, qui viennent faire sa vie.
Alors, parce qu'ils ont décidé, je sais pas d'où elle vient cette mine, mais elle n'a rien à foutre là. Donc. Donc en effet ici il y a le truc dorsal. On va pas faire plus non. Donc ici en fait ce qui va aider c'est que du coup on a de l'aide. C'est que il faut pas. C'est pas ici qu'il faut commencer. C'est pas bon. Ce qu'il faut faire c'est. Surtout qu'il est en perspective l'animal. Ça sera pas parfait d'ailleurs. En fait, ici, il te dit, te fait comprendre en te disant que, en effet, tu dois couper. Couper le niveau du truc. Donc, déjà, il y a le coup qui peut aider. Donc, par exemple, ici, déjà, le coup, il n'est pas super bien fait, mais c'est pas grave. Le coup peut t'aider pour déjà avoir un petit aperçu. Il te dit, ok, fais comme ça. Et le coup, il peut te montrer un petit peu pour savoir où tu dois couper. Regarde. Enfin, regardez, regarde. On est potes, regarde. Voilà. Il te dit tu dois couper un truc comme ça et après il te dit bah, que là tu devras tout simplement poser. Bon, ce sera pas un truc parfait mais on s'en fout. Du coup ici ça peut te permettre de voir déjà une délimitation au niveau anatomique pour t'aider donc te dire que ok bah, du coup ça fait ça plus ou moins. Tu vois là. C'est la perspective, hein. C'est là. Ici, c'est, on est en fin de perspective. Donc là, je sais pas, c'est que, encore une fois, je sais pas d'où ça vient, ça. Y a des traits qui se créent tout seul, donc c'est paranormal. Fantomatique. Je sais pas d'où vient ce trait. Peut-être vous voulez faire un truc bizarre, je sais pas. Vous voyez, je me contredis tout le temps, hein, c'est normal. Parce que en fait, c'est moi qui galère, mais. C'est pour ça que j'aime bien trouver des excuses, mais. Pas taper Wood, pas taper. Ne fais pas ça. Il est en mousse. Donc voilà, vous avez un peu l'aperçu ici de l'idée du corps qui remonte tout simplement comme ça et qui va comme ça. Ça va toujours dans ce sens-là. Hein. Ne jamais oublier. Ça se rattache à la peau comme ça. Enfin, c'est de base, c'est quand même une façon d'attacher. Et du coup, vous faites tout simplement un corps comme ceci. On va pas prendre en coup les pattes directement, on le fera plus tard. Et du coup, en fait, ça permet de vous avoir un petit aperçu rapide anatomique de l'animal. Donc, on va pas faire un truc très complexe. Voilà. Et vous voyez que ça peut quand même un peu aider. Le but de ce truc, c'est de pas faire non plus tout à votre place. Ah mais non, ça il faut pas rêver. Il faut vous-même essayer aussi un peu de vous aider. Mais en fait, ça peut permettre de quand même savoir où poser les formes, tout simplement, dans la perspective, etc. En prenant en compte que moi je suis pas un héros au niveau, à ce niveau-là, donc voilà. Donc là, vous avez un petit aperçu du galérien. C'est du vite fait, hein. Donc voilà. L'idée, c'est ça. Hein. Hop. Donc en fait, là, ça devrait être plus par là. Hein. C'est pour ça que ça fait bizarre. Hop, donc on va essayer de faire un truc, on va essayer de tricher en faisant ici une sorte de boule qui va par là, qui se casse en genre je m'en bats les couilles. Voilà, vous faites ça hein, tout simplement. Là c'est correct, c'est plus ou moins correct quoi. Ça fait bizarre mais c'est normal, c'est parce qu'il y a beaucoup de traits de construction donc on comprend un peu rien. C'est un peu le bordel. C'est parce que comme vous voyez là on voit pas tous les traits de construction donc techniquement en fait je devrais ici effacer ça et du coup vous voyez ça passe déjà un peu mieux anatomiquement, on voit déjà un peu mieux les cheveux, vous voyez à fur et à mesure que j'efface les traits de construction ça ressemble de plus en plus à des pattes animales. C'est pas des pattes parfaites mais on s'en fout, ça c'est pas grave, c'est étudié, vous faites de votre mieux, si vous arrivez pas à faire les pattes mieux que ça c'est pas grave. Ne vous en voulez pas.
Donc je sais pas dans quel sens il est sa patte. Je ne la vois pas là, c'est un problème. Elle est où sa patte? Ah, il y a un autre animal avec lui. Ok, j'ai vu où est sa patte. Plus ou moins sa patte, elle est là, plus ou moins. Vous voyez, au niveau des pattes, j'ai pas de problème, plus ou moins, ça passe nickel. Ah, des pattes, je vous en fais des pattes plus ou moins correctes et potables. Quand je dis correct, ça veut pas dire perfect, bien sûr. Mais au moins, plus ou moins correct par rapport au reste de l'anatomie, quoi. Bon, en soi, ça va, ça passe. Anatomiquement, ça passe. On comprend que c'est une patte qui est assise, elle est pas parfaite. C'est normal, je suis pas dessinateur professionnel, je précise, je suis amateur. Mais vu que la plupart des gens sont encore plus bas que moi, je me dis, bah, vu que je suis plus haut que vous, bah, je vais vous aider. Oui, je suis humanitaire, je suis adorable, je sais. Saucissonnez-vous. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est corriger ici, le niveau anatomique ici. Et encore une fois, quand je répète, si je répétais 6 fois. C'est pas grave si c'est pas parfait. C'est rien. C'est à corriger par la suite. Les gens qui vous cassent les pieds en disant ouais, c'est moche, c'est mal fait. Ou lui envoyer des saucisses grillées pour tous par la poste. Ils vont souffrir. Parce que vous voyez là qu'en effet, il y a des erreurs anatomiques quand même, mais en soi, l'idée. Elle est quand même là parce que je vous montre bel et bien, regardez le rond là, il peut être utilisé pour faire déjà plus ou moins un aperçu de ça. Et pas mal aider en fait l'anatomie. Surtout que moi je vous fais quelque chose d'approximatif. Il peut pas mal aider. La pâte elle est un peu mal foutue, mais c'est pas grave, c'est un truc vite, on va peut-être juste un truc vite fait comme ça pour vous montrer rapidement ce que ça pourrait donner. Voilà, en bref, ça donnerait à peu près un truc comme ça, vous voyez, à peu près au niveau du corps. C'est pas parfait parce que moi j'ai besoin de me concentrer plus et en explication je peux pas faire des trucs parfaits. C'est un de mes défauts, c'est que je peux pas faire des choses parfaites parce que je suis trop j'ai besoin de concentration extrême pour faire un truc correct. Mais en soi, je veux dire, c'est peut-être parce que je fais une anatomie trop réaliste. C'est peut-être possible. Mais ça vous prouve que si j'arrive à peu près à faire un truc un peu réaliste, c'est qu'il y a où il y a des erreurs partout, hein, on est d'accord. Il y a des erreurs de proportion à peu près partout, mais c'est parce que c'est approximatif réellement. Et du coup, faire un truc parfait et vous le montrer en mode. Voilà, perfect quoi, c'est pas possible parce que c'est impossible quoi. C'est hyper chaud. Ouais, c'est vraiment très difficile, mais en soi, vous voyez un peu, ça se construit. Je déface, je recommence, je reconstruis à chaque fois, vous voyez comment un peu comment l'idée quoi. Là, je fais du vite, 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 vite fait parce que je m'en fous, je me prends pas la tête, mais c'est pour vous montrer rapidement. Et ici, en fait, vous voyez qu'il y a une erreur au niveau du dos. Mais c'est pas grave, ça. Les boules, ils sont là pour vous aider un peu. Mais c'est pas à suivre à la perfection. Non, non, non. Parce que du coup, ça fait un peu bidonnant, vous voyez, ça fait bizarre. Non, non, non. C'est juste là pour vous aider un peu. Vous pouvez très bien vous éloigner de cette chose-là et recréer correctement les choses et redynamiser la chose correctement et refaire correctement l'anatomie comme bon vous semble pour un peu équilibrer l'idée au niveau dorsal pour comprendre un peu mieux ce que vous faites. Vous pouvez très bien faire un truc comme ça et voilà, recorriger correctement anatomiquement le truc. Pour mieux comprendre ce que vous faites, quoi. Je déconseille de suivre à 100% ces bouboules.
si vous voulez faire un peu plus réaliste comme moi. Après, oui, si vous voulez faire plus réaliste, il y a peut-être moyen. Là, on dirait qu'il a bien mangé, l'animal. Ah, il y a une grosse bedaine. Hein. Ça aussi, c'est corrigeable. Hein. Il faut pas forcément vous prendre la tête à faire un tour aussi complexe. Vous pouvez corriger par la suite si ça vous plaît pas. Donc là, ça vous dit, ouais, mais mon gars, en fait, son corps à ce niveau-là, il est plutôt là. Ouais, ça marche. Ça marche. On peut faire ça. Bon, là, c'est vraiment ultra approximatif ce que je fais là. Mais... Voilà. C'est à peu près, on va dire que c'est à peu près ça. Voilà, là, on a sa cage thoracique. Thoracique. Et en fait, ça permet de corriger un peu au fur et à mesure l'anatomie. Vous voyez ici, on voit que c'est un truc qui est. C'est la soie de son truc, il y a ses muscles et tout ça fait un peu bordel. Mais voilà, en soi, l'idée, c'est ça. C'est vous étudiez, en fait, tout simplement l'anatomie. Et là, vous pouvez peut-être essayer de faire mieux. C'est rien si c'est pas parfait, on s'en fout. On s'en branle. C'est rien. Surtout quand vous êtes en numérique comme moi, c'est pas grave. Vous essayez de faire un truc rapide, une compréhension rapide globale. En fait, c'est aussi surtout comprendre globalement en fait ce que vous faites. Parce que si vous essayez de tout essayer de comprendre d'un coup, c'est trop d'informations d'un coup. Non, il faut pas faire ça. Vous voyez là, il y a un problème avec sa tête. Hein. Il y a un problème avec son cou. Il est trop long. Pourtant, j'ai essayé de faire un truc correct, mais malgré tout, ça va pas fonctionner. On va un peu tricher, mais c'est pas forcément une bonne idée. Ou quoique, peut-être qu'il y a moyen de tromper. Mais bon, voilà. Bref, il y aura toujours des erreurs un peu partout. Mais en soi, ici, je vous fais un truc ultra approximatif. Anatomiquement, hein. C'est pas parfait. Donc, du coup, on a les oreilles ici et on a des oreilles là. Donc, voilà à peu près l'idée en soi, l'animal, il est à peu près comme ça. C'est vraiment du ultra approximatif. Mais au moins, c'est compréhensible pour mieux comprendre la perspective. Et du coup, vous pouvez mieux comprendre anatomiquement l'animal. Il y a des choses qui se créent et il y a des choses qui se corrigent. Et du coup, après, c'est à vous de gommer, ne pas hésiter à abuser de la gomme, mais vraiment je suis sérieux, abusez-en seulement, allez-y, c'est la fête, abusez de la... Donc là, le coup est trop grand, ça je m'en doutais qu'il allait avoir ce coup, cette coude là. Donc ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est ça, regardez, hop, vous faites un clic, pardon. J'ai le hoquet, couper coller, hop, déplacer, là c'est bon, plus ou moins je pense que c'est correct, ouais c'est correct comme ça. Vous prenez ça ou le mettez dans la poubelle si vous êtes sur Critas, non je sais pas si c'est pareil, comme ça je me prends pas la tête. Après attention, il faut repasser sur ça, sinon ça vous allez déplacer tout le calque. Et du coup voilà, et du coup vous continuez, vous essayez peut-être éventuellement un peu de zoomer, mais le problème c'est que si je zoome, j'ai plus accès à ma référence, c'est ça qui m'agace un peu. C'est ça qui fait que du coup je peux pas être précis non plus. Voilà, on va essayer d'être précis comme ça, mais ça va pas être parfait. Donc je voudrais le crayon s'il vous plaît. Donc en approximation, on va dire que ça donne à peu près ça. C'est pas parfait encore une fois, mais c'est une forte approximation que je crée là. Voilà. Donc l'oreille elle est pas bien mise déjà, donc on le sait déjà. On va la corriger après. Et du coup en fait ici il suffit de juste corriger la gueule. Et comme vous voyez ça commence à se voir mieux. On commence un peu à comprendre ce qui... On commence... Ah, c'est rien, j'ai entendu un bruit bizarre, c'est mon... Ça m'a fait peur, bordel. Ça m'a fait peur, car un truc de ouf, je vous dis pas, commence à avoir un peu de forme.
Et en fait, après, vous peaufinez un peu, prêt. C'est pas parfait, l'anatomie doit pas tuer, Utrade la mort qui tue parfait, hein. C'est pas grave. Vous peaufinez un peu. C'est du croquis. Le croquis, c'est du croc. Le principe du croc, c'est d'essayer d'apprendre, mais c'est pas de se prendre la tête. Le croc, c'est fait pour ça. C'est vraiment fait pour vraiment se faire plaisir, s'amuser, corriger sans cesse pour comprendre anatomiquement. Comme vous voyez là, je corrige pas mal de choses. En tout cas, j'essaie d'un peu comprendre ce que j'ai fait. Et ça permet de vraiment comprendre un peu mieux anatomiquement, même si c'est pas parfait, parce que si ça se peut, ça c'est peut-être mauvais, hein. C'est même très mauvais, hein, apparemment. C'est pas bon, il y a des erreurs, il faudrait décaler la patte. Mais ça, c'est pas grave. Vous pouvez juste le retirer, quoi. C'est pas la mort. C'est rien, ça. En effet, la patte là, elle est pas bien mise. Donc, il faut la décaler. Donc, ce que vous faites, c'est que soit vous la décalez comme un gros bâtard, ou soit vous l'effacez comme moi. Et je comprends pas pourquoi tout s'efface pas. Ah oui, d'accord. Oui, il y a un truc qu'il faut pas oublier de faire avant. C'est de fusionner votre calque avec l'autre, parce que ici, le truc, il avait oublié. Donc, vous effacez ça. Et vous le recorrigez jusqu'à temps que vous arrivez à faire correctement un truc cohérent et correct. Donc ça vous demande ça vous dit là, ça vous dit, hey, le truc est au même niveau. Vous dites, ok, je vais corriger ça et on verra pour la suite pour corriger, peaufiner et désalourdir cette zone-là. Donc là, je me concentre uniquement sur ça, pas sur autre chose. Donc sur cette zone ici. Là, donc je me concentre uniquement ici. Là. Là. Savoir ici où ça se place. Rien d'autre. Le reste, on corrige. Chaque jaune a son. C'est comme du sculptage. C'est corriger chaque jaune à chaque jaune. Et ça prend du temps. Donc, du coup, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais faire ce que j'ai dit. Logique. On va corriger ça. Parce que l'anatomie n'est pas correcte nulle part, hein, mais on s'en fout. C'est pas grave, on corrige, c'est tout. Donc ici, il me dit, ok, ben, tu dois mettre les trucs en fait plutôt là. Ben, écoute, on va le mettre comme il l'a dit, hein, c'est lui le chef, c'est le truc qui est chef de ça. C'est le machin qui est chef. Donc du coup, ben, on va mettre la patte ici à ce niveau-là. Et puis c'est tout. D'ailleurs, celle-là, il faudrait peut-être la mettre plutôt par là, plutôt dans ces perspectives-là. Donc tant pis, là, bon, elle est un peu mal faite la patte là, hein, mais bon, on est d'accord, elle est un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave, on va corriger ça plus tard. On corrigera ça après. D'abord, on corrige chaque chose à son temps. D'ailleurs, du coup, c'est pourquoi j'en occupe. Corriger, corriger, corriger. Si ça dérange, on efface. Voilà, comme ça, il n'y a plus de problème. On corrigera par la suite. Donc du coup, là, ça me dit, ok, ben. Faites déjà du approximatif, c'est que du coup cette patte là elle sera peut-être plus longue ou plus bas en prenant en compte la longueur de celle-là quand même, on est obligé, donc apparemment c'est ici, donc du coup celle-là doit être à ce niveau-là, peut-être plus ou moins plus bas. Ouais, elle sera bon là, sera plus ou moins correct on va dire. Du coup voilà où elle se sera, où elle se situera en fait. Et du coup ben, ici vous avez le niveau anatomique qui se met ici. Et du coup, ben oui, c'est différent, ça se fait, ça c'est plutôt comme ça à ce moment-là. C'est ici qu'il y a tout l'entracte en fait. Mais il faut corriger ça parce que c'est trop long, c'est trop près, c'est trop fort. Donc vous corrigez. Vous corrigez selon le truc qui propose ça. Vous essayez de comprendre plus ou moins anatomiquement ce qui se passe. Voilà, c'est pas tout à fait parfait, mais c'est plus ou moins déjà mieux. Donc là, on n'oublie pas, hein, c'est la patte arrière. Là, on peut coloriser un peu pour prendre en compte que ici, c'est le croquis de la patte arrière. Ça permet d'avoir un aperçu. Bon, moi je fais mal, donc ne faites pas, mais faites que mieux que moi. Mais voilà quoi. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, quoi. C'est plus facile à faire. Tel un gros bâtard. Donc là, du coup, ben, ça dit que la patte elle est un peu plus près, peut un peu dépasser, on s'en fout, l'autre.
c'est pas le but. Du coup, en fait, en faisant ça, en fait, au fur et à mesure, vous corrigez pas mal d'erreurs. Vous pouvez faire aussi un peu les poils, mais bon, c'est pas important. Et du coup, ça permet de pas mal corriger des choses qui auraient été pas bonnes, en fait, de base, et qui auraient été mauvais, en fait. Voilà. Et au fur et à mesure, on a un croquis qui commence à ressembler à quelque chose. Même si ce croquis, techniquement, je ne vais pas le terminer. On fait vite la queue, vite fait comme ça. Parce que là, la pâte est un peu bizarre, vous allez me dire. La pâte là, elle n'est pas terminée, elle n'est pas faite, hein, mais c'est pas grave. Ici, vous avez le ventre qui ressort un peu, vous voyez. Là, c'est la didine, comme on dit. Et là, vous avez les poils. Et ici, vous avez tout simplement la cage thoracique, en fait. J'essaie de bien me montrer, bien forcer dessus pour qu'on la voit bien. La cage thoracique, elle est ici. Et là, c'est juste, en fait, le niveau du... C'est le ventre, en fait, ça. Ça, c'est en arrière-plan, c'est plus... Enfin, c'est en dessous. Et ça, tout ça, c'est le ventre, c'est la didine. C'est là où il y a ses tétons et tout ça quoi. Du coup là c'est le niveau de muscle de trucs, c'est le niveau du genou quoi. Il est pas parfait. Hein. Mais bon voilà, en soi c'est un peu l'idée. Est-ce que vous pouvez... Voilà. Hop là. Voilà, en soi, ça fait un peu l'idée de ça, en fait. Hein. C'est correct. Et vous n'êtes pas obligé de tout détailler aussi. Parce que ça aussi, il faut essayer de comprendre truc par truc. Ça prend du temps, etc. Mais il faut pas vous faire de mal, en fait. Hein. Vous avez vu ici, j'ai foutu un raccourci pour qu'on comprenne. C'est un peu forcé, mais c'est fait exprès. C'est pour qu'on comprenne bien que c'est une pâte. C'est pour bien comprendre que c'est une pâte. Donc voilà, en principe, voilà. Après, ça ressemble pas tout à fait à un cheetah parce qu'il mange, il manque des taches, voilà. Si je veux que ça ressemble à un cheetah, il faut mettre des espèces de taches un peu partout, voilà. Vous voyez, quand je commence à en mettre, ça commence à ressembler plus à un cheetah, mais bon, ça, c'est que du détail. Donc voilà, c'était pour terminer, donc pour vous montrer. Donc ça, c'est bien sûr du vite fait, hein, on est d'accord. C'est le principe, c'est juste que vous apprenez en fait à correctement à faire l'anatomie. Oups. Encore oups. Donc vous apprenez correctement à faire l'anatomie animale. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. C'est pas facile, forcément. Hein. Moi j'aime bien parce que j'aime bien apprendre l'anatomie, comme vous voyez. En fait, c'est surtout en fait pourquoi le dessin n'est pas bon, parce qu'en fait techniquement là en fait la pâte elle est pas censée, elle est pas bien faite malgré tout, parce qu'en fait la pâte selon ce qu'il me dit, elle devrait être plus haute en fait, elle devrait être ici en fait dans son... Ah. J'ai mon ventre qui gargouille. Elle devrait être ici plus ou moins. Elle devrait être à ce niveau-là approximativement. Voilà, là on voit un peu plus qu'il est assis plus ou moins. Mais encore une fois, ça c'est pas grave, c'est des erreurs anatomiques qui sont récurrentes. Ouais, là on voit mieux que c'est une pâte assise, tiens. Voilà, ben, voilà ben, j'ai corrigé en deux le truc. Donc voilà, c'est à apprendre, quoi. Il faut apprendre anatomie, c'est pas facile. C'est du croc qu'il faut faire de temps en temps. Comme vous voyez, je vous montre un peu comment moi je m'y prends. Je fais tout au fur et à mesure, mais je ne fais pas tout en un coup. Je fais d'abord une vague globalité du dessin. Et après, au fur et à mesure, je détaille par détail. Et c'est comme ça que je fais le reste, quoi. Parce que par exemple, là, les pattes, normalement, elles sont comme ça. Hein. Vous faites un truc ainsi. Et en fait, après, vous faites des petites patounes comme ça, des petites trucs. Hop. Fais pas attention si vous entendez mon ventre qui gargouille, c'est mon ventre. Vous voyez, normalement, en théorie, les papattes, elles sont comme ça, quoi. Au début. Tout simplement. Putain, mon ventre, on l'entend bien. Vous voyez, à peu près.
Donc, je sais que les pattes sont comme ça, mais c'est juste qu'ici, je fais vite comme ça parce que je me dis, voilà, c'est pas important. Il faut, on étudie chaque chose à son temps. On peut pas tout étudier en un coup. On peut pas tout faire en un coup. Donc, ça sera fait après ça. Ce sera corrigé après. Là, c'est pareil. Anatomiquement, c'est pas bon. Je le sais. Je le reconnais. Ben, je corrigerai par la suite parce que je sais que là, en effet, il y a une erreur anatomique selon le truc qui me dit que c'est pas tout à fait bon. Donc, je corrige, je rajoute après. Par la suite, je comprends la liaison du truc. Donc, ça me dit, ok, j'allais dire Google. Ok, donc ça fait ça, hop. Et ça fait ça tout simplement, quoi. Pas tout faire. Hein. Voilà, ça fait un truc dans le genre. Vous voyez? En fait, ça se relie ici. Ça se relie ici à tous les trucs. Vous comprenez un peu comment on fait le corps animal? C'est en fait ça, c'est, il y a au centre, il y a un truc qui fait que ça se relie en fait. À peu près. Ça se relie entre le thoracique. Mais ça, c'est à l'intérieur. Et en fait, quand l'animal il bouge, et ce qu'on a l'art à souvent simplifier, c'est que quand l'animal, au cas où s'il bouge, ça fait en fait une espèce de ligne ici, d'ombre. C'est de l'ombre et pas du concret. Et du coup, attendez, je vais vous faire mieux. Donc, ça fait en fait une sorte d'ombre à ce niveau-ci après. Plus ou moins, hein, c'est approximatif. Là, ça va faire une sorte d'ombre. Peut au pire même le laisser. Et du coup après ben on se dit ah ok donc la pâte elle est comme ça en fait on fait une pâte comme ça en fait tout simplement c'est comme ça qu'on fait une pâte et voilà quoi c'est comme ça qu'on fait une papate et voilà et du coup ben après quand tu fais l'autre pâte tu dis comment on fait le reste et après tu fais une seconde pâte qui est là et ça fait un truc bizarre ou je sais pas quoi. Et du coup, en fait, c'est ça le problème. C'est parce qu'il faut prendre en compte que ça, ce qu'on voit là, dans les dessins d'illustrateurs qui sont bons, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Enfin, j'espère. Ce qu'on voit là, en fait, c'est une ombre. C'est pas la réalité. C'est une simplification. C'est des ombres. Je vais vous montrer d'ailleurs. Hop. Regardez. Ah! Merci. Regardez là, on voit l'ombre ici. Un peu plus haut. Gardez ici. Ah non, pas là. Un peu trop fort quand même, toi. Voilà, ici, regardez. C'est ici que je vous dis qu'on voit l'ombre. Vous voyez, ici, on voit l'ombre. Et du coup, là, à cause de ça, on pense qu'en vrai, c'est ça, quoi. Merde. Ah, attendez, je galère un peu. Laissez-moi galérer. Donc, on pense que c'est ça, quoi. Voilà. J'ai pris mauvais quel con. On voit pas très bien le truc. Hein. Ah oui, mais attendez, c'est parce que. Mais non, oh, attendez. Hein. Je vais régler le problème. J'ai mon ventre qui gargouille, c'est un peu casse-couille. Donc on va recommencer ça. Excusez-moi pour la gourde. Hein. Donc voilà, en bref, si vous voulez. Peut-être un peu trop. Un peu plus. Oui, si vous voulez, en fait, ici, vous avez l'ombre. Ici, vous voyez, ici, il y a de l'ombre là. Et c'est ça qui crée l'erreur d'après de dire, ah ok, donc c'est comme ça, en fait, voilà, l'anatomie comme ça, elle est comme ça. Mais ça, c'est une erreur. C'est pas vraiment comme ça, l'anatomie. Ça, c'est une simplification de raccourci, c'est pour la facilité. Mais en vrai, c'est plus complexe que ça. Il faut comprendre plus en profondeur. Regardez pourquoi j'ai raison. Parce que ici, le truc que je vous ai dit, le machin de reliaison, la thoracique, eh ben, il est ici. Il est là. Il est ici. Là. C'est pour ça que là, ça fait de la lumière. Parce que c'est sa thoracique. C'est son abdomen, quoi. Et en fait, c'est le thorax, là, que ce que vous voyez ici. Tout ça. Et en fait, c'est ça. En fait, ici, le truc, en vrai, ça se recolle comme ça. Et là, vous avez l'abdomen du truc au niveau. Enfin, vous avez le niveau des trucs des membres, mais c'est pas forcément que lié. En fait, c'est comme nous, c'est le.
c'est plus une, c'est l'épaule plus ou moins de l'animal, c'est ça, plus ou moins ça. C'est la clavicule, voilà, je cherchais le nom, c'est la clavicule de l'animal, mais c'est pas forcément, c'est un ensemble pour tout, mais c'est pas forcément le bras en lui-même, vous voyez, à 100%. Ça en fait partie aussi, mais c'est pas que ça. C'est plus complexe que ça. Et du coup, en fait, voilà, en vrai, ça fait plus un truc comme ça, quoi. Et c'est une reliaison, et c'est comme ça que vous comprenez mieux que comment est fait une anatomie animale. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Excusez-moi pour mon ventre qui gargouille. Apparemment, j'ai faim. Je ne le savais pas moi-même. Je vais saucissonner mon ventre et je vais lui dire de se faire goûter par tout le monde. Se faire goûter. Voilà. Alors, pour le corps arrière, ce qu'on peut comprendre, qu'on peut essayer aussi de comprendre au niveau du corps arrière, c'est qu'il y a aussi des erreurs. On se dit, ah ok, donc un corps arrière, merde, je me suis encore trompé, un corps arrière, c'est comme ça en fait, voilà. Voilà, c'est comme ça, voilà, et après on galère pour ça, et voilà, moi je le fais un peu plus rapidement, mais voilà. Mais non, en fait, c'est pas vraiment ça. Si vous voulez vraiment comprendre et étudier l'anatomie, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut comprendre un peu plus en profondeur comment c'est. En fait, il faut comprendre en 3D, en perspective 3D, etc. Il faut comprendre ce que vous faites. Je regarde si mon Avermedia Media va bien. Oui. Normalement, j'ai 12h52 de vidéos faisables avec cet Avermedia Media parce que c'est un disque crucial de 120 Go que j'ai dans l'Avermedia Media Lumion. Parce que c'est un Avermedia Media Game Capture HD2, donc tu peux incruster un CD, un. Pas un CD, un disque dur externe dedans, et c'est ce que j'ai fait de la marque Crucial. Il m'a coûté 20 euros, 20-30 euros comme ça. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment le temps. Je peux même prendre 3-4 heures. Je sais que ça pourrait être la vidéo quand j'aurai terminé, elle aura 2-3 heures, mais je m'en fous. Je laisse, je ne touche à rien, je modifie rien. C'est pour vous apprendre, et en même temps, moi ça m'entraîne. C'est aussi important pour moi. Je m'en fous que la vidéo fait aucune vue. Moi, ça m'aide aussi, parce que quand je vous parle comme ça, je retiens chez tout, ces choses et je théorise. Parce que ce que je fais là, c'est aussi de la théorisation. C'est comprendre, chercher à comprendre comment le corps est fait. Et ça permet de mieux dessiner. Et c'est très important pour comprendre par la suite et mieux s'en sortir. Donc c'est, même s'il n'y a personne, moi j'en suis fier parce que j'aurais appris des choses et j'en garde un souvenir. Même si je regarde même pas du tout la vidéo, ce qui a peu de chance. Hein. Ce sera juste un souvenir comme ça. Si un jour quelqu'un veut apprendre ou comprendre comment je galère, comment j'ai galéré, eh ben je vous mets tout dans la face, je vous jette tout dans la tronche. Allez, débrouillez-vous. Non, c'est pour rire. Plus sérieusement, je vous envoie tout et je vous dis voilà, ça prend. Certes, les vidéos que je fais prennent 2-3 heures à chaque fois, même peut-être 4 heures. C'est vraiment des longues vidéos. C'est pas du live, c'est du non-live parce que j'ai pas je sais pas ce qu'il faut pour faire ça, mais c'est juste que moi j'arrive pas à faire des synthèses de 30 à de 10, 20, 30 minutes en tutoriel. Je peux pas faire, c'est pas possible. Ou alors c'est du ultra simpliste, mais et encore, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec le raccourci de temps. Donc je m'en excuse, c'est pour ça que mes vidéos sont très très longues. Mais après, en théorie, de toute façon, si vous voulez apprendre l'anatomie correctement, il faut étudier ce que je vous montre là, il faut comprendre si vous êtes débutant. Donc du coup, ici, voilà, vous avez un truc qu'il faut comprendre, c'est que en fait, ici, vous avez en effet un ensemble. Tout ça, c'est un ensemble, ok. Mais c'est un ensemble. Mais en vrai, c'est plus complexe. Parce qu'en fait, là, ça crée une ombre. Mais en fait, ça, c'est plus loin. C'est relié à ça. Oui, parce que l'animal, en fait, ça fait ça, en fait, plus ou moins, là, le corps. Vous voyez? C'est un truc comme ça en fait. Mais le truc, c'est que ici, tout ça, c'est par là. C'est dans la profondeur. C'est pas en face. Ça, pareil, ça commence à aller dans la profondeur, tout ça. C'est juste ça en fait qui est en face de nous. C'est tout ça. Et ça, en fait, on ne comprend pas. Donc du coup, quand on fait un dessin simpliste, ça peut encore passer. Mais si on veut comprendre vraiment l'anatomie, si on fait juste ça en étudiant des planches qui sont vite faites comme ça pour montrer, pour juste vite fait, quand t'as pas vraiment envie de te forcer en anatomie, ça va. Mais si tu veux comprendre vraiment profondément comme moi, et que vous voulez être comme moi, être bon en anatomie et comprendre ce que vous faites,
Ben, il faut comprendre qu'en fait, il y a une profondeur dans l'anatomie, c'est pas su super, c'est pas si simple. Et je sais que c'est pas parfait ce que je vous montre non plus. C'était en, je veux dire par exemple, Pete du blog Apprends à dessiner ou Spartan de Painting School numérique, digital numérique, Painty School. Je retiens pas son truc, mais c'est Spartan, c'est un des. C'est un truc, ça s'appelle Digital Painting School. Un truc comme ça, Digital Painting School, un truc dans le genre. C'est des chaînes YouTube, hein, ce que je parle là. Et Dessin Diego. Ben, ces gens-là, ils expliqueront ce que j'explique là 1000 fois mieux. Mais clairement, mieux, parce que eux, c'est vraiment des professionnels. Moi, je suis un amateur. Je suis, je répète, un amateur. Donc, je vais faire blindé d'erreurs en explication. Si ça se peut, je dis complètement de la merde depuis le début, mais c'est pas grave, j'apprends. Plus tard, je comprendrai que j'ai pas tout compris. Par exemple, ici, vous avez les poils, mais en fait, il faut comprendre peut-être qu'au niveau anatomique, en fait, le truc, il est peut-être plus là, en fait. J'ai un peu de mal, hein. Mais en fait, le niveau du corps, en fait, il est là, en fait. J'arrive pas à le faire correctement, mais là, en fait, c'est juste des poils, en fait. Vous voyez? Ça, c'est parce que les poils ressortent, mais anatomiquement, c'est pas tout à fait ça. Là, par exemple, là, en effet, on a du rasement. Donc, c'est pas rasé. Hein. C'est juste pour dire que là, on voit plus ou moins presque, c'est carrément le pixel près du niveau maximum de l'anatomie. Mais là, c'est des poils qui ressortent. Donc, c'est normal. Donc, vous pouvez pas dire, ah oui, ok, donc son thorax, il fait tout ça. J'arrive pas à le faire correctement, à le faire mal. Ah, ok, son thorax, il fait tout ça, alors. Ben non. Pas du tout, c'est les poils ça. Non, il faut prendre une marge de compréhension qu'en fait ici on voit au niveau des ombres, c'est ici que le thorax est. C'est plus facile, vous voyez quand le thorax il commence à ce niveau-là, plus ou moins, hein, c'est pas parfait non plus au pixel près, mais le thorax en fait il est là en fait. Vous voyez, ça c'est les poils, c'est les poils. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Là, en effet, là il n'y a pas d'erreur, hein. Et vous voyez mieux en fait au niveau thorax, nanana, etc. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre tout ça. C'est peut-être pas parfait hein, ce que je fais là, mais j'ai du mal. Après, le truc vous fait comprendre qu'en effet, ça ne peut pas être plus haut non plus. Parce que le reste, c'est des poils sortants. Et du coup, ça aussi, il faut comprendre ici aussi qu'il y a une petite limite ici. C'est ici. Vous voyez, c'est ici. Là, c'est des poils. Il faut comprendre toutes ces choses-là, il faut théoriser, il faut chercher, il faut vraiment comprendre que voilà, ici c'est pas parfait, là c'est plutôt là le cou, et ici, et que le reste, tout le reste là, c'est des poils, hein, c'est des poils. Mais si tu veux d'abord comprendre le corps, il faut d'abord comprendre où se situent les membres de l'animal, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Là c'est pareil, en fait. Les poils, il faut prendre en compte que c'est ça en fait l'anatomie. Ça, c'est les poils, tout ce que j'ai, tout ça là que je colorise, c'est les poils qui ressortent, c'est pas l'anatomie. C'est des poils, ça. Si, poils du cul. Donc voilà. Bon, là, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être un peu plus simple, mais vous voyez un peu l'idée. C'est ça qu'il faut comprendre aussi quand vous faites anatomie. Vous voyez ici, ça vous fait comprendre que les poils, voilà, c'est ça à peu près. J'ai du mal un peu à viser, mais voilà. Là, en effet, il n'y a pas de poils. Là, c'est correct. Mais là, il y a un peu de poids-poil, hein, mais c'est correct, plus ou moins dans un soi. Mais voilà, il faut comprendre ça. Il faut comprendre à peu près l'idée anatomique de ça. Sinon, vous n'y arriverez pas et vous vous en sortirez pas. Et si vous comprenez tout ça, ben. Le mec qui galère à supprimer tout ça. Si vous comprenez tout ça, vous comprenez. Vous arrivez à comprendre tout ça. Vous vous en sortirez beaucoup mieux. Ça fait bizarre avec la patte qui est là, clairement, ça fait un peu chelou. C'est un peu comique du coup. Parce que ça fait un truc complètement bégay, tu sais, genre. Vous savez, genre, oh là là, regarde, je sais dessiner parfaitement anatomiquement. Voilà. Parfait. Oula, j'ai encore appuyé. Personnellement, il y a beaucoup de trucs sur digital.school, par exemple. Ouais, voilà, c'est digital.school. Sparta, il explique ça. Ah ouais, le bouton, machin, là, stylet, il va vous servir à quelque chose. Alors, moi, personnellement, ça me sert à rien. Même si j'étais sur un truc numérique, ça me fait chier plus qu'autre chose, les boutons cliquables. Je préfère un bouton non cliquable, au pire, parce qu'à chaque fois, j'appuie dessus et ça me gêne. En plus, ça ne marche pas. Hein. Regardez, là. Regardez, j'ai appuyé sur le truc pour effacer. Regardez, je vais appuyer sur.
Ça. Ça n'a même pas pris. Regardez. Vous voyez? Ça n'a rien pris du tout. C'est resté sur... Ah si. Ah bon? What? Le truc... Waouh, le machin qui me contredit! Sérieux, ça refonctionne alors? Non. Je te crois. Ah, je me disais aussi. Non, non, ça fonctionne pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Non, parce qu'il faut, il faut rester maintenir. Et vous voyez que... voilà, ça, ça reste pas, quoi. Ça sert à rien, quoi. Ça marche pas. Le truc veut pas... Ça veut pas... En fait, je peux même pas appuyer. Ça ne marche pas. Donc, c'est de la merde. Et du coup, ça me gêne. Mais au moins, je risque pas d'appuyer sur un truc et ajouter quelque chose sans faire exprès, puisque ça marche pas. C'est de la merde. Donc voilà, moi, Digitalis.scoop, j'ai envie de lui dire, t'as raison pour toi peut-être, mais en tout cas pour moi, j'en en veux pas. Ça me sert à rien. Ça me fait plus chier qu'autre chose, ce truc de raccourci. Peut-être parce que je suis débutant aussi, hein. C'est fortement même sûr que c'est ça. Alors là, je suis en train de faire de la merde, comme vous voyez, c'est magnifique. C'est beau, c'est magnifique. Oh, je pleure. Je pleure de beauté de merde. Parce qu'en fait, ça me dit qu'apparemment, les pattes devraient être à ce niveau-là, mais je les trouve un peu basses quand même. Donc non, je dis, va te faire foutre, tes pattes sont un peu plus basses. Elles sont à ce niveau-ci. Là, je fais des pattes un peu simplistes. Voilà, en soi, voilà, on les fait vite fait pour montrer où elles doivent se situer, mais c'est pas parfait. D'ailleurs, ici aussi, c'est pas bon, hein. Ça devrait être un peu... Enfin, il y a des erreurs partout anatomiques, mais c'est pas grave. Vous apprenez, vous apprendrez au fur et à mesure à force de faire du croquis. Il faut pas vous faire du mal. Mais surtout, prenez des références. Et dès que vous avez terminé ce croquis-là, vous le verrouillez, vous le fermez, vous faites nouveau. Hop, et vous recommencez un autre ou le même. Et vous essayez, vous recommencez en faisant des ronds d'ajout. Des ronds qui vont vous permettre de vous mettre en repère. Parce que ces ronds-là sont juste faits, en fait, pour le repère, en fait. Hein. Tout simplement. Ils sont vraiment juste faits pour ça. Hein. Ils sont pas parfaitement là pour autre chose. Et du coup, ça vous permet de théoriser en disant, ah ouais, ok, je vois un peu l'idée. Là, je peux faire un truc comme ça. Je sais voir comme ça. Je sais voir plus ou moins que le truc thoracique... Enfin, le truc va à ce niveau-là, plus ou moins. Je sais comprendre à peu près ça. Je sais que là, de toute façon, le truc, il fait ça. Je sais, du coup, un peu comprendre en perspective et théoriser pour le reste au niveau thoracique pour mieux comprendre et mieux créer, quoi. Et je sais faire mieux, etc. Moi, après, j'aime bien faire du croc. Quand je dis du croc, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est que je fais du truc rapide, en fait. C'est ce que j'aime, j'adore ça. C'est ce que j'adore le plus, c'est le croc, en fait. C'est pour ça que quand je fais des colorisations, c'est plus en croc qu'autre chose. Mais voilà, en fait, ça permet de théoriser plus rapidement, etc., etc. En fait, vous créez des raccourcis et vous créez des choses et tout ça. Mais là, on voit tout de suite qu'il y a des erreurs à peu près partout. Mais en soi, voilà, c'est pas grave, ça se corrige après, etc., etc. Bon, là, il y a une erreur anatomique, hein, on est d'accord, le corps est trop bas. Mais voilà, en bref, voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. C'est en pratiquant qu'on réussit, de toute façon. Il faut apprendre, il faut clairement apprendre. On peut étudier tout ça, on peut comprendre par la suite ce qu'il faut, et après, il faut juste être patient. Après, que vous... par exemple, ce que j'ai fait et tout ça, c'est suffisant. Et du coup, en fait, ce que vous devez faire après, comme j'ai fait là, vous sauvegardez déjà, c'est pas mal déjà. Et en fait, ce que vous faites après, c'est que vous faites tout simplement une pause. C'est pas plus compliqué que ça. Vous faites une pause, vous éteignez votre truc, vous dites ok, j'ai terminé, nanana, vous fermez, vous faites hop, quittez, et vous fermez, et vous avez terminé. Et vous faites une pause, c'est tout. Et vous jouez à un jeu, je sais pas, n'importe quel jeu. Un jeu vidéo, quoi. Je sais pas. Vous essayez des trucs. Tout simplement.
Vous passez à autre chose, voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous passez à un jeu vidéo pendant un ou 2 jours, ou pire, ou une semaine, je sais pas. Pas forcément tout que ce jeu. Mais en bref, en étudiant comme ça, au bout d'un moment, vous allez être stagné, sinon. Donc ça fait du bien de faire une pause pendant une semaine ou deux. Faites-le. Et après, vous revenez de retour à étudier un peu pendant plusieurs semaines. Faire tous les jours un peu de croquis et tout ça. Pendant 2 semaines, par exemple, c'est très bien. Et après, les 2 semaines après suivant, vous laissez, vous faites rien. Et ainsi de suite. Et vous faites comme ça tout le temps, indéfiniment, jusqu'à la fin, jusqu'à votre mort, MDR. Cette façon de parler, c'est vraiment ça. Hein. Et du coup, à force, sous le côté, bien sûr, vous allez faire aussi, de temps en temps, à la place de faire des croquis et tout ça, vous allez faire du dessin, hein, des trucs personnels et des projets et tout ça. Logique. Mais là, je vous mets en dehors de ça, en théorie, en infini, en pensant qu'à ça. Vous faites ça comme ça, quoi. Et c'est comme ça que vous allez apprendre et vous améliorer. Comme vous voyez, moi, mon niveau en dessin, il n'est pas ultra ouf de la mort qui tue. De la roue mort qui tue. Mais. Oui, je suis sur Linux. Mais Ubuntu 20.4, machin, je sais pas quoi. Donc, oui, mais voilà. C'est pas compliqué, en fait. Il faut apprendre. Et en fait, au début, au moins, en fait, moi, je voulais faire ce beau gosse-là. Et après, je me suis dit, ouais, je vais le faire plus tard. Je vais d'abord étudier un peu l'anatomie et tout ça. Je vais pas arrêter de faire blinder de croquis. Parce que on est d'accord que si je m'amuse à activer tout, ça va faire un sacré bordel. Hein. Regardez-moi ça. Voilà, ça fait ça. Et du coup, on comprend rien du tout. Et c'est normal. Parce que c'est pas fait pour être activé tout en même temps. Non, il faut en désactiver deux. Il faut en mettre un par un. Là déjà, on voit qu'il y a des soucis au niveau anatomique, encore une fois, mais comme j'ai dit, il faut corriger plus tard, mais ici c'est qu'en théorie, donc c'est juste que c'est à vous de ouvrir et fermer et de comprendre ce que vous avez fait. Voilà. Attends, il y a un bug parce que j'ai voulu faire un truc. Non. Voilà. Par exemple, pour le corps, comme j'ai expliqué, le ventre et tout ça. Donc voilà, en bref, c'est en théorie, voilà, c'est qu'il faut étudier, 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 et chercher à comprendre l'anatomie en faisant, mais en essayant de comprendre un peu la 3D en fait, et la perspective, pas au point d'un truc de la mort qui tue, hein. Donc je veux dire, dans le sens que on vous demande pas d'être ultra précis au pixel près, au genre, précise-moi la mort qui tue, un pixel. Non. Il y aura des erreurs, mais en essayant en fait de la perspective, il y aura des erreurs bien sûr, et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de mal à ça. Vous devez apprendre, parce que ici encore une fois, la patte, c'est celle-là. C'est celle en bas du cheetah, le dernier en bas, le quatrième. Elle n'est pas parfaite, hein. Il y a souvent des erreurs anatomiques. Et il faut le reconnaître, et à ce moment-là, vous avez amélioré aussi en connaissant les erreurs que vous faites. Donc non, il faut pas vous en vouloir de faire des trucs anatomiquement pas correct. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, quoi. Il faut apprendre anatomiquement. Faut apprendre anatomiquement, tout simplement. Il faut comprendre ce que vous faites. Et en comprenant ce que vous faites, vous allez mieux vous en sortir et vous allez mieux vous en sortir tout simplement correctement. Pourquoi je ne peux pas dessiner dessus? Donc là, vous pouvez voir que ça tourne. Et là, elle est là, sa cage thoracique. Donc je pourrais noter en effet. Qu'est-ce qui se. Mais non, c'est bon. Je pourrais en effet noter que c'est ici plus ou moins que sa cage thoracique est. Et du coup, au niveau du corps. C'est vraiment ça qui pose problème. Enfin voilà, on va terminer ici. Je vais essayer de vite corriger ça, mais je sais pas si je vais y arriver. Mais on va essayer de corriger vite fait. Ouais, ça passe un peu mieux, mais c'est pas parfait non plus. Voilà, mais du coup voilà, donc vous avez compris ce qu'il faut comprendre, c'est étudier, étudier, étudier,
et ça prend du temps. Et il faut essayer de comprendre. Comme vous voyez, j'ai déjà compris certaines notions. C'est pas parfait, mais j'ai déjà compris les trucs que je vous ai expliqués. Et du coup, ça permet de vraiment comprendre comment l'anatomie fonctionne. Et ça aide pas mal pour par la suite faire des dessins d'imagination, etc. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir au niveau dessin d'imagination si vous essayez pas de comprendre d'abord anatomiquement. Comment fonctionne l'anatomie tout simplement. Vous n'allez pas comprendre correctement tout ça quoi. Et si vous voulez vraiment comprendre correctement tout ça, bah oui, il n'y a pas de choix. Il faut essayer d'étudier tout ça pour mieux comprendre quoi. C'est logique. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que ici ça fait quand même bizarre, mais bon c'est normal. La pâte elle est ici, je rappelle, hein. Elle est ici tout simplement. Elle n'est pas là, hein. Elle est là. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Donc entraînez-vous en dessin, n'abandonnez pas. Ça prend du temps, même les oreilles sont pas forcément bien mises. Mais en bref, c'est de la théorie, c'est de la théorisation ce que j'ai fait là. Donc du coup, c'est normal que c'est pas parfait. Et vous voyez que j'arrive même pas à raccrocher, parce que là, je suis censé arrêter et du coup, j'arrive pas à m'arrêter. Et c'est un peu comique, j'avoue. Et du coup, voilà, quoi. En tout cas, n'abandonnez surtout pas. Je suis sérieux. Sinon, je vais vous saucissonnifier. N'abandonnez pas le dessin. Essayez de faire de votre mieux. C'est pas facile l'anatomie, c'est normal. C'est tout à fait normal de pas s'en sortir directement en un coup, la première fois, parce que c'est quelque chose de complexe, l'anatomie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre au fur et à mesure avec le temps. Mais quand vous allez savoir y arriver correctement, vous allez être ultra heureux et dire ouais, j'arrive enfin à faire plus ou moins un truc correctement. Et ça va vraiment vous aider au quotidien pour faire votre anatomie correctement. Et voilà quoi, ça va vraiment vous aider correctement, vraiment quoi. Là, je suis en train de corriger un peu le niveau thoracique de la cage thoracique, parce qu'elle est plus ou moins à ce niveau-là ici. C'est pas parfait, hein. Vous voyez comme je triche un peu là en mettant des ombres pour faire croire qu'en fin de compte la cage thoracique est bien mise alors qu'elle ne l'est pas forcément à 100%. Elle n'est pas parfaitement bien mise, très bien. C'est pas non plus un mal mis non plus au point, mais elle n'est pas parfaite encore une fois parce que moi je reconnais mes erreurs. Il faut comprendre et reconnaître et essayer de s'améliorer avec le temps. Voilà, en soi, vous avez compris le principe. Il faut essayer de comprendre et étudier l'anatomie. Ça, tout ça là que j'ai dessiné, c'est non parfait. Mais c'est bien. Mais c'est valide. C'est valide dans le sens que ça tient. Ça tient quand même si c'est pas parfait. Ça tient un peu plus ou moins la route. Là, on voit qu'il y a des erreurs. En effet, ça me dirait plutôt d'aller par là. De faire un truc à ce niveau-là, tu voyez. Parce que là, en fait, il faut faire une reliaison. Et du coup, il faut faire ça. Vous voyez? Et il y a blindé à chaque fois, blindé de choses à corriger comme ça. Et en fait, en comprenant mieux l'anatomie, vous comprenez certaines erreurs que vous allez faire avec le temps. Avec le truc. Et du coup, ça va être mieux fait. Donc voilà, et là, vous voyez qu'au fur et à mesure, ça commence à ressembler encore mieux à un animal. Parce que je commence à vraiment encore mieux à améliorer l'erreur anatomique qu'il y a. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pour vous dire que le principe, au début, il faut surtout pas abandonner. Il faut travailler, étudier, étudier. C'est ce que moi, je fais personnellement. Je peux vous montrer rapidement en utilisant un autre calque flou pour les ombres. Là, c'est trop fort parce que là, si je le fais, on verra rien, hein, c'est logique. Pour vous montrer un peu un aperçu avant qu'on se quitte. C'est un aperçu, c'est rien, j'ai bougé sur ma chaise. C'est un aperçu bonus que je vous fais pour vous montrer un peu près au niveau anatomique, au niveau des ombres, oui, vaguement où ça va être mis, les ombres. Donc en bref, il le dit là aussi déjà, mais en vrai voilà, ça fait à peu près ça. Hein. On peut un peu étudier le truc.
Donc ici à ce niveau-là, ouais. Mais en fait, vous-même, il faut essayer de comprendre où se mettent les ombres. Donc là, tout ça, tout ça, tout ça, c'est dans l'ombre, vous voyez. Je vous montre un peu, hein. Tout ça, c'est dans l'ombre. Il faut le mettre dans l'ombre, tout ça. Ça vous permettra de vous en sortir un peu mieux. Ça, en fait, il faut le mettre dans l'ombre. Ça aide mieux. En théorisation, ça aide mieux de mettre ça dans l'ombre. Et ça, ben, vous faites juste un truc du centre. Vous mieux préfère l'ombre. Et du coup, après, vous recadrez un peu. Vous voyez, c'est du vite fait en théorie, mais je vous montre un peu l'idée. Vous voyez, comme ça, on voit un peu mieux le niveau en fait thoracique, l'exercement thoracique. Donc vous voyez l'exercement quand on fait l'ombre. Et du coup ici vous pouvez aussi bien sûr rajouter de l'ombre. Faut pas hésiter, hein. Voilà, ici vous savez que là plus ou moins il y a un niveau thoracique qui se fait aussi. Et là vous pouvez un peu faire un peu plus simple aussi, etc. etc. Voilà, là c'est du vite fait aussi, hein, bien sûr. Mais voilà, en théorie, voilà à peu près l'idée d'ombre que vous pouvez poser quand vous faites un truc comme ça. Là, c'est du vraiment du théoriciel, hein, c'est pas de l'ombre parfait, mais en théorie, voilà. C'est à peu près l'idée. C'est des ombres ultra rapides que je fais, hein. Bon, c'est normal. Mais à peu près l'idée, c'est ça, quoi. Vous voyez, on voit un peu mieux, on commence à mieux discerner certaines choses. Et c'est ça qui aide pas mal aussi. Et on peut mettre ça en multiply. Ou en luminosité, justement. Voilà. Voilà. Après, c'est d'effacer un peu ce qui dépasse du trou. On modèle un peu. Ouais, j'ai encore appuyé sur mon bouton de truc, ça me fait chier à chaque fois, j'appuie tout de suite en face, quoi. Voilà, on modélise un peu. C'est du vite fait, hein, bien sûr, ce que je fais là. Mais vous voyez un peu l'idée en soi. Là, il faut pas que ça soit trop fort non plus. Parce que c'est juste une ombre de transition, c'est pas, c'est le Terminator, quoi, mais c'est pas. Enfin, soit, vous avez compris le principe. Voilà, à peu près l'idée. Pour comprendre les formes aussi, ça peut aider d'un peu faire des tests 3D comme ça. Ça peut aider aussi. Donc du coup, c'était un petit bonus pour terminer. Pas que, mais. Du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aidera parce que c'est le but, c'est vraiment d'aider les gens. Donc si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous a pas aidé, ben, je suis désolé, hein. Peut-être que le dessin n'est pas fait pour vous, hein. Peut-être que c'est parce que ici c'est vraiment les fondamentaux au niveau perspective 3D et anatomie animale félin ici surtout félin. Et du coup voilà, je vous dis à bientôt, c'était Mister Wu, portez-vous bien, bande de troutrouf. Oui, j'attends un peu pour les 20 secondes pour mettre les vignettes à la fin là. Je sais pas si ça fait 20 secondes. Parce que sinon, en fait, ça va prendre sur le moment où je suis en train de terminer le dessin. Donc j'attends encore un peu. Oui, parce que comme il n'y aura pas de musique, je précise pourquoi j'attends.
Normalement, ça devrait être bon ici, ça devrait faire 20 secondes. Allez, à plus. Non, deux trous de couf.